Déjà? Comment déjà? Attendez, on peut quand même parler, non? On peut et c'est fait, je vous répète, vous vous êtes trompé d'adresse. Dites-moi, je suis bien dans un bureau de placement d'intérimaire. Mais oui, monsieur. Mais vous trouverez sûrement ce que vous cherchez au Crazy Horse. Au revoir, monsieur. Au Crazy Horse? Parce que vous ne pensez pas que les secrétaires, âgés de 20 ans, ou moins d'ailleurs, jolis, très jolis à regarder, peuvent taper vite et bien la machine? Je crois, et je crois aussi qu'elles ne sont pas les seules à avoir faim une ou deux fois par jour. C'est également le cas de Dactylo, moins jeune et tout aussi capable, donc j'essaie d'assurer le placement. Ma spécialité en quelque sorte. Donc vous ne trouverez pas ici l'intérimaire de vos rêves. Sans vouloir vous presser. Dites-moi, ça fait combien de temps qu'elle existe, votre opération survie? 1 an. Mais c'est miraculeux. Dans 6 mois, vous serez fermé. Oh, je ne le pense pas, parce qu'il existe encore des employeurs pour qui les formes et l'âge de l'intérimaire comptent moins que la vitesse de frappe. Alors, cette fois, excusez-moi, mais j'ai du travail. Écoutez, j'ai réellement besoin d'une secrétaire dans la matinée. Alors, que vous reste-t-il, disons, en dessous de 80 ans? Je vous l'ai dit, Madame Flure, 53 ans, très forte. Grosse? Oh, mais non, très forte professionnellement. Anglais, allemand, espagnol. Mais je m'en fous. Farce et attrape, j'exporte pas. Bon, écoutez, dans 2 heures à cette adresse, ça va? Elle y sera. Mais à propos de farce et attrape devant Madame Flure, pas de plaisanterie du tout. Elle n'apprécie pas. Où suis-je tombé, moi? Mais où je suis tombé? C'est pas vrai. Oh, pardon! Excusez-moi! Restez, Gilbert, restez. Un de vos modèles, je suppose? Oui, mademoiselle Swindon. Oh, très compétente, aussi? Très! Parle, traduit et tape couramment 3 langues. Ah oui? Ah oui! Ah oui! Oui! Ah oui, faut au moins ça. Excusez-moi, madame. Oui. Mais si vous avez un problème, je suis libre immédiatement. Anglais, allemand, espagnol, 42 mots minutes. Non, non, merci, je suis servi. Ah. Non, je disais d'ailleurs à votre héroïque directrice combien je regrettais de m'être jeté tête baissée sur Madame Flure, alors que... Enfin, vous savez, il y a des jours comme ça où l'on ferait mieux de rester couché. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Au revoir, mademoiselle. Mais, Gilbert, vous deviez pas être chez Chaussin de Marie les 9h30? J'en viens. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Même pas le temps de décapuchonner la machine. J'entre dans le bureau de monsieur Schuschenberg. Bonjour, monsieur. Je suis la secrétaire intérimaire premier choix que Paris intérimait à votre disposition. M'a regardé sans rien dire pendant 15 secondes. Me faire ça à moi? Quoi? Vous faire ça à vous? Il a quand même le droit de vous regarder tout de même. Mais vous me faire ça à moi? C'est lui qui a dit ça. En parlant de vous, il m'a renvoyé moi au lieu du prix intérimaire qui attendait de lui. Mademoiselle, vous faites pas l'affaire. Avec une femme. Et pourtant, 42 mots minutes, hein. Oui, oh. Bien sûr, bien sûr. Oh. Éliminée en quart de finale au concours des secrétaires d'administration, madame. Hein. Je sais, et c'est déjà très beau. S'il ne me coince pas dans le tabulateur, je monte sur le podium, madame. Mais ça, client, il s'en fiche. Quand je rentrais de chez Schuschenberg tout à l'heure, je me disais que je serais bien mieux de retourner aux affaires culturelles. Des gens cultivés, eux. Forcément, des esthètes, surtout dans ma spécialité. Je me souviens plus très bien. Inventaire, classement, devis de restauration. C'est ça, vitraux, je crois. Mais non! Gargouille, 12e, 13e siècle, les plus belles. Oui, oui, bon, Gilbert. Bon, vous ferez comme vous voudrez, Gilbert. Mais je ne pense pas que renoncer soit une bonne solution. Vous devez parvenir à vous imposer, à vous affirmer, à vous assumer.
Oh, je vous ai souvent parlé de Sainte-Carmel, mon arrière-arrière-grande-tante. Souvent. Enfin, un peu tous les jours. Hein. Oui. Mais souvent. Sainte-Armel, à qui Marie-Madeleine est apparue dans un grenier. Ah non, non, non. Une grange, Gilberte. Ah. Alors, Sainte-Armel aimait à dire, dans le difficile, avec l'aide de Dieu, il faut faire face, ce que vous ne feriez pas en retournant en gargouille. Faire face? Eh ben, c'est peut-être facile hein, pour cette armelle. Mais pour moi, faire face, madame, même avec l'aide de Dieu, eh ben non. Oh, mais allons, allons, Gilbert. Vous êtes mignonne quand vous souriez. Je suis mignonne? Oui. Quand je souris? Oui. Il faut sourire plus souvent, Gilbert, aux autres et à vous-même. Bah, c'est qu'en ce moment, madame, oui, je ne peux pas sourire à personne parce que, regardez, je vais m'ouvrir ça. Bah, il brûle. Et bah, quand il ne bougera plus, souriez. Allô, Paris Intérim à votre service. Ah non, mademoiselle Olivia n'est pas encore arrivée. C'est madame Labellie, la directrice à l'appareil. Oh bah écoutez, je suis aussi navrée que vous, mais le lundi matin, mademoiselle Olivia est plus souvent en retard que les autres jours. C'est de la part de qui? Francis Buisson. Vous rappelez? C'est entendu. Au revoir, monsieur. Elle exagère, hein, 10 ans moins le quart. Madame? Oui. Bah, qu'est-ce que je fais, moi, maintenant, hein? Eh ben, écoutez, pour les jours qui viennent, j'ai pas grand-chose, ma pauvre Gilberte. Ah ben, ça tombe mal, parce qu'il y a le terme. Je vois bien M. Gombert demain matin, mais c'est un homme assez rude et au franc-parler. Ah non, plus d'homme assez rude au franc-parler. Moi, je préfère rester chez moi. La croûte de pain, un verre d'eau, tout. Donc un homme rude au franc-parler, alors je non. Attendez, attendez, Gilberte. Voulez-vous travailler quelque temps ici? Ici? Oui. À l'accueil? Avec Olivia? Oui, non, enfin non. Ici, au bureau, avec moi. Ah oui? Oui. Ici, à l'appartement, parce que moi, à l'accueil... Vous n'avez pas la patience qu'il faut pour l'accueil. Et moi, je ne l'aurai pas non plus. Tandis qu'Olivia... Eh ben oui, à défaut d'être ponctuelle, Olivia a le mérite d'être toujours aimable, disponible et de bonne humeur. Et puis elle est belle, hein. Ça gâte rien. Mais elle n'est pas à l'accueil parce qu'elle est belle, c'est parce qu'elle a les qualités qu'exige cet emploi. Mais je ne dis pas ça, madame. Je dis seulement que ça gâte rien qu'elle soit belle, enfin. Ça gâte rien. C'est que quand on a vu Olivia en vitrine à l'accueil, eh ben moi, quand je me pointe chez le client, il hurle à la publicité mensongère en me disant des horreurs et en fichant la porte, comme Schuschenberg ce matin. Mais il fallait pas laisser Schuschenberg vous les dire et lui montrer le contrat sous le nez. Mais c'est ce que j'ai fait, madame. Et alors? Eh bien, il a pris le contrat, il l'a déchiré en disant qu'il préférait payer un dédit plutôt que de vivre un cauchemar réveillé pendant 48 heures. Et il a dit ça? Oui. Oh. Oui, il a dit ça, madame. Et c'est ce que j'ai entendu de pire depuis qu'un garçon a l'écho. Oh là 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 là. Il y a affaire, Sainte-Armel, il y a affaire. Sainte-Armel? Oui. Bah, vous savez, hein, quand un Schuschenberg, Sainte-Armel. Jeanne d'Arc peut-être, et encore, en armure et puis avec toutes ses troupes. Mais vous savez, ma petite Gilberte, Sainte-Armel a repoussé Satan en personne. Alors le Schuschenberg, elle n'en ferait qu'une bouchée. Une bouchée? Oui, ben je veux dire qu'elle le ferait taire et signer le contrat. À moins qu'elle me fasse disparaître, pich, en fumée, comme elle l'a fait avec Satan, ni plus ni moins. Alors là, oui. Ah oui. Si elle peut faire disparaître Schuschenberg en fumée, pssst, moi je veux bien qu'elle intervienne. Et pendant qu'elle y sera, je connais un chef de service à Puteaux, vous m'avez envoyé la semaine dernière. Si elle peut aussi s'occuper de son cas, celui-là, bah, ça m'arrangerait. Vous en demandez trop, Gilbert. Sainte-Armel ne va pas descendre du paradis pour régler vos comptes. Bah, tant pis. Bon. Alors, si je dois pas être à l'accueil, madame, où je pourrais faire fuir le client, ben, où vais-je me mettre? Alors, cet après-midi, nous débarrasserons cette pièce où il y a les fournitures.
Kajibi. Oh oui, mais de ce Kajibi, nous en ferons un joli petit bureau. Vous vous tiendrez là. Vous tiendrez? Oui. Bah, je tiendrai si on ne ferme pas la porte derrière, hein. Et puis en respirant très peu, hein. Oh madame! En attendant, Gilberte, vous montez à l'appartement, vous vous faites une petite tasse de thé, vous vous détendez, mettez un petit peu d'or dans le living, et je vous appellerai, hein? Madame? Oui? J'espère que le placard à balai n'est pas trop encombré, hein? Le placard à balai? Bah, que je sache où mettre si quelqu'un arrive dans l'appartement, hein? Je suis en retard, hein? Ah oui, on est bien. Vous êtes en retard. Le lundi matin, c'est calme. Ouais. Mais comme toujours, nous avons poireauté plus d'une heure au péage de Mantes-la-Jolie. Oh. Et rentrer le dimanche soir au lieu du lundi matin, c'est une idée qui vous vient jamais? Non. Enfin, si. Le lundi matin, au péage, je me dis, tiens, la prochaine fois... Enfin... Nous étions à Deauville avec Jean-Paul, un programmeur, gentil. Ah, le garagiste, comme ses prédécesseurs, n'aura donc duré qu'un week-end? Le garagiste? Bah oui, lundi dernier, à la même heure ou presque, vous m'aviez confié d'avoir passé le week-end avec un garagiste, à Deauville en plus, hein. Et la semaine d'avant, c'était avec un autre... garagiste? Oui. Ah oui, Vincent chose machin là. Mais oui, mais non, avec Vincent c'est fini. Non, cette fois-ci c'était avec Jean-Paul. Jean-Paul, c'est fou les noms, je n'y arrive jamais. Enfin, avec Jean-Paul, c'est fini aussi. C'est fini aussi? Puisque vous m'honorez de vos confidences, Olivia. Ah oh, bah tiens, à propos, vous avez reçu un appel. J'en ai fait quoi? Ah, un certain Francis Buisson, vous devez le rappeler. Francis Buisson? Oui. C'est celui de samedi prochain. Ah, et vous n'avez pas celui de samedi en 15? Non, madame. Écoutez, Olivia, vous savez le combat que je mène à la tête de Paris Intérim ainsi qu'à la tête de l'association Dignité de la Femme. Ah oui, madame, et je vous admire, vous savez. Et merci, mais... Et je vous approuve. Il y a tant de femmes de notre époque qui se laissent encore traiter par les hommes comme des objets. Moi, ça, je ne le supporterai pas. Bah, précisément, Olivia. Ne craignez-vous pas, en faisant don de votre personne au charcutier, au boulanger, au notaire, au garagiste et au programmeur, à la cadence d'un corps de métier par semaine, ne craignez-vous pas de faire... de devenir une femme objet? Moi, madame? Oui. Mais je ne fais donc de rien du tout. De rien du tout? Ah, vous ne passez pas vos week-ends à arpenter la plage en disant des vers, j'imagine. Oh, bah, au prix où sont les chambres? Mais pour ce qui est du don de ma personne, jamais. Jamais? Eh bien non, madame. Il me faut du sentiment, voyez-vous. Moi, madame, je ne fais pas l'amour aux hommes pour leur faire plaisir, mais pour me faire plaisir à moi. Parce que moi, j'aime ça, faire l'amour. Et non seulement j'aime ça, mais j'en ai besoin pour mon équilibre. Dans ces conditions, je ne fais donc don de ma personne à personne. Et puis, c'est même tout le contraire. Tout le contraire? Bien, oui. Moi, je ne donne rien. Je prends. Ah. Et je vais même vous dire une chose qui va vous faire drôlement plaisir. Ah. Vous vous souvenez dans le bulletin du mois dernier de Dignité de la Femme? Oui, en effet, et alors? Vous parliez de la femme objet, justement. Oui. Qu'il fallait intensifier la lutte, etc. Et alors? Eh bien moi, j'ai intensifié, et j'en suis arrivée à l'homme objet. L'homme objet? Je me choisis en homme objet pour le week-end. Je me rééquilibre. Et le lundi matin, je repose un objet sur son étagère. Adieu, monsieur. Merci beaucoup. Je n'en suis pas encore à lui demander combien je vous dois. Mais j'y viens. Objet. Vous avez bien quand même quelques échecs. L'objet qui ne veut pas quitter son étagère, par exemple. Jamais, madame. Ah. Il faut plus ou moins secouer l'étagère de temps en temps, évidemment, mais ça finit toujours par s'arranger.
Oui, mais vous avez bien, je sais pas moi, après un week-end passé avec l'homme objet, vous avez bien quand même des petits regrets le lundi matin, non? Oh ben non, et puis au train où ça va? Ben c'est bien dommage, Olivia, ça mettrait peut-être un terme à votre solitude. Ma solitude? Bah oui, solitude, 52 amants par an, vous devez vous sentir bien seule. Mais madame, je ne suis pas seule. J'ai Polo. Polo? Oh, mon canari. Oh, madame! Oh bah j'ai cassé le sucrinière! Oh bah, je suis jamais ma tête, moi, énervée ce matin, je peux plus rien tenir! Ne touchez plus à rien. Allongez-vous, c'est nerveux. Ah bon? Bonjour Gilbert. Ah, bonjour Olivia. Ne devriez-vous pas être chez Schlüsselenberg ce matin? Ah bah si, hein, j'en viens, mais je peux rester, hein, parce qu'il m'a pas plu. Oh bah non, hein. Oh Stéphanie, que viens-tu faire ici si tôt? Tu es tombée du lit, ma parole. C'est un peu ça. Bonjour maman. Bonjour ma chérie. Je t'ai ramené ton manteau et la doublure est refaite. Joli ton ensemble. Oh, je le connaissais pas. Où est-ce que t'as trouvé ça? Chez Sibylle, boulevard de Courcelles. Alors je crois avoir vu le même dans une petite boutique. Sur un carrefour, pas très loin. Olivia, Olivia, le téléphone. Voilà. Ça pouvait attendre demain, hein. Non, non, au contraire, ça m'arrangeait. Après une scène au saut du lit, une demi-heure de marche, un manteau sur le bras, c'est excellent pour les nerfs. Une scène, mais à quel propos? Mathilde. Ah, il ne veut pas que tu y ailles. Non, mais 2 heures par jour dans une boutique de lingerie féminine, tu imagines bien le nombre d'hommes seuls que je risque d'y rencontrer. Bon, j'y ferai tout de même un tour tout à l'heure, hein. Mais as-tu essayé calmement d'expliquer à ton mari que... Mais oui, j'ai essayé calmement et pas calmement, rien à faire. Gérard n'est plus moins tranquille que lorsqu'il me sait à la maison cloîtrée. Oh, n'exagère pas. Tiens, ah, qu'est-ce que tu fais là, toi, si tôt le matin? T'es en beauté. Bon, un petit peu tristounette, mais en beauté. Bonjour Suzanne. Bonjour ma Florence, comment vas-tu? Rapidement, comme toujours. Bah, t'as fait ton jogging en manteau ce matin? Non, non, Stéphanie vient de me le rapporter. Alors ça tombe bien, ne le range pas, tu vas le vendre. Vendre mon vison? Oui, et à perte forcément, parce que là c'est pressé, hein. Mais qu'est-ce que tu racontes? Oui. Oui, passez-le à l'appartement. C'est Gérard, tu le prends là-haut? La dignité de la femme, c'est cuit. Oh, cuit, ça me fait penser. Sur la seconde ligne, oui. Je peux. Vas-y. Des sorties, pas d'entrée. Sincèrement, tu ne peux continuer. Il y a eu des dons pourtant. Oui, des aumônes. Allô, Albert, c'est moi. T'as pensé à allumer sur le pot-au-feu? Très bien. Non, 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 il fallait seulement allumer. Tu penseras au pain? Je t'ai laissé un billet de 10 euros dans l'entrée. Oui, sur le plateau. Voilà, sous les clés. Très bien. Ton travail avance? Parfait. N'oublie pas que tu l'as promis pour samedi, hein. C'est très bien. À ce soir, mon chéri. Ouais, il écrit bien, mais pas très vite, hein. Je ne comprends pas. Tu m'as dit que fin décembre, tout allait bien. Non. Fin décembre, je t'ai dit. Nous sommes ric-rac, fais attention. Et depuis, aide à ceci, aide à cela, impression du bulletin, salle de conférence, trop de frais. Bon, admettons, mais ce que laisse Paris intérim, on peut consolider dignité de la femme. Ah non, oh, alors là, Paris intérim marche gentiment, tu n'y toucheras pas. Ou alors tu chercheras une autre comptable. Je ne veux pas participer à une gestion maladroite. Tu es chef d'entreprise, Suzanne, ne l'oublie pas. Tu as charge d'âme. Les bénéfices de Paris Intérim ne doivent servir qu'à consolider Paris Intérim. Tandis que l'association Dignité de la Femme peut disparaître, hein. Ça ne mettra personne au chômage. Il n'est pas question d'abandonner Dignité de la Femme. Trouvons autre chose. Il faudrait que tu passes à la télé. Que pendant 5 minutes, tu exposes les buts de l'association Dignité de la Femme. Tu sais comme le font les politiques. Et pendant que tu parles, en sous-titre,
bas de l'écran le numéro de compte chèque postal. Mais pour passer à la télé, il faut connaître des gens. Oui, pas comme ça. Oui, évidemment, évidemment. Tape ton gendre. Taper Gérard, pourquoi? Mais non, mais non, mais non. Mais si. Bon, c'est vrai qu'il est jaloux et ennuyeux comme la pluie. Je te l'accorde. Mais droit comme un scout et plein aux os. C'est vrai. Je suis sûre que aider une association aussi morale que Dignité de la Femme, ça pourrait l'intéresser. Bon, une sorte de BA. Jamais. Tant pis pour Dignité de la Femme, hein, mais emprunter un sou à Gérard, jamais. Les liens sacrés du mariage suffisent, hein, pas la peine d'en ajouter d'autres. Très bien, d'accord. Eh ben dans ce cas, dis-moi comment tu comptes faire marcher la boutique. La boutique, ça me fait penser. Je peux? Oui. Alors, qu'est-ce qu'il voulait, Gérard? Se faire pardonner? Surtout vérifier si j'étais bien là? Oui, Albert, c'est encore moi. Quand tu vas chercher le pain, n'oublie pas de laisser les clés chez la gardienne, hein, parce que l'épicier doit passer livrer. Non, mais non, ne t'inquiète pas, je réglerai en rentrant. Tu écris, toi, surtout. Voilà, à ce soir. Dis-moi, ce n'est pas toi qui, quand tu étais jeune fille, rêvais d'épouser un aventurier? Oui, enfin, un aventurier, un explorateur, non, un reporter. Enfin, en tout cas, un type qui se déplace, quoi. Je me souviens d'un garçon qui rêvait de partir en Amazonie. Philippe, ah, oui, très bien. Madame. Finalement, tu as épousé Albert, qui n'est pourtant pas vraiment un grand voyageur. Non, pas vraiment, non. En fait, quand Albert quitte Boulogne pour aller faire les courses à Billancourt, bah, il appelle ça l'étranger. Oui, mais l'avantage Albert sur Tabarly, c'est qu'il est plus souvent à la maison. Ah, mais ça, c'est vrai, voilà. Mais enfin, tu es heureuse tout de même. Ah, bien, il y a des soirs où, parfois, douillettement installée devant la télévision, tu vois, une main d'Albert dans une main, un tilleulement dans l'autre, ben je m'emmerde, tu vois. Bon, pas tous les soirs, hein, mais... Ah, Olivia, tu la y es. Je sais où j'ai retrouvé le même, au printemps. Mais alors, plus ample à la taille, et puis l'air vert en moi, je crois. Cet après-midi, nous plus ample ensemble. Ça épaissit? Non, parce que j'ai déjà tendance. Mais ça. Tu n'as pas grossi, qu'est-ce que tu racontes? Vous trouvez qu'elle a grossi? Écoutez, Olivia, pas du tout. Alors par contre, moi, j'avais perdu un kilo, hein, la semaine dernière, et je l'ai repris en deux jours. Et Olivia, ça mange en quoi? Olivia, on vous débarrasserait cette... Du confit d'oie. Oh, forcément, du confit d'oie. Non, mais trois fois rien. Mais sinon, à la fin du repas, un morceau d'ananas, hein, à ça dissout les graisses. Exactement, non? Mais qui êtes-vous? Satan. Qui? Satan. Satan? Satan! Mais je rêve ou quoi? Non, vous ne rêvez pas. C'est bien moi, Satan, qui suis là devant vous, qui vous parle. Je suis celui qui n'est pas. L'éternelle négation, si vous préférez. Bien, remettez-vous. Je suis pressé.
voici l'objet de ma visite. Ah, j'ai compris. Ce sont les rognons d'hier soir. J'aurais pas dû en reprendre à chaque fois. Non, ce n'est pas digestif. Je suis Satan, qui se manifeste où il veut, quand il veut, sous la forme et de la manière qui lui plaît. Comme l'autre. Ha ! L'autre ! Votre Père qui est aux cieux, qui peut vider la mer Rouge comme avec une pompe, sans étonner personne, mais que j'apparaisse, moi, Satan, et aussitôt, c'est l'incrédulité totale, blessante. Satan, mon œil, et moi, je suis Isabeau de Bavière. J'ai tout entendu. Et cela commence à suffire. Oui, bon, excusez-moi, mais c'est que dans cette tenue, vous ne faites pas du tout diabolique. D'habitude, on vous représente généralement avec... Je sais. Je sais. Mais je ne peux tout de même pas circuler dans Paris avec des pieds fourchus, des cornes au front et une queue traînant derrière. Hein? Non, bien sûr. Bien. Vos 5 femmes m'intéressent. Donnez-les-moi. Mes 5 femmes ? Donnez-moi les 5 femmes du roman que vous êtes en train d'écrire et je vous obtiens le Goncourt. Pour quelqu'un qui tire habituellement à 39 exemplaires, c'est inespéré, non ? Mais cela n'a pas de sens. Elles n'existent pas, ces femmes. N'existe pas? Stéphanie, Florence, Suzanne et les autres. Mais non! Ce sont des personnages de romans! Et alors? Ça n'existe pas, les personnages de romans. Le père Goriot, Hamlet, Arsène Lupin, Madame Bovary. Vous croyez qu'elles n'existent pas? Et que faites-vous du pouvoir magique, diabolique de l'écriture? Allez, allez, dépêchons. Vous écrivez, j'agis, et c'est le Goncourt. Topé. Topé, topé, et en supposant, qu'est-ce que vous voulez en faire de mes bonnes femmes? On va les damner. Que voulez-vous que j'en fasse? Les damner? Et vous me croyez capable pour un malheureux prix Goncourt? À m'abaisser, à pactiser avec... Avec moi? Et comment? Nous n'allons même pas perdre une minute à discuter de cela, voyons topé. Jamais? Pour qui me prenez-vous? Pour un Balzac de gare, qui ne sait même pas qu'en faire de ces bonnes femmes. Pas de but précis, pas de plan. Vous travaillez comme l'autre, là-haut. Des milliards de personnages, mais pas de but, pas de plan. Ha ! Il est en train de fabriquer un colossal invendu. Topé. Non, vous livrez des femmes sans défense. Des femmes sans défense, ça n'existe pas. La plus fragile est armée jusqu'aux dents. Topé. Non ! Va des rétro, Satanas ! Ah ! Ah ! Ne vous amusez pas avec ça, hein ! Ou je vous transforme en feu follet, moi ! Excusez-moi. Il n'y a pas d'excusez-moi. Va des rétro, là. Je ne supporte pas. Et si je disparais, vous n'entendrez plus jamais parler du Goncourt. Ni du Nobel, évidemment. Le Nobel? Je pourrais avoir le Nobel? Vous pourriez, plus tard. C'est que ce n'est pas facile, le Nobel. Même pour moi. Un jury presque dépourvu d'immoralité. Évidemment, le Nobel, c'est... C'est tentant, c'est tentant. D'autant plus qu'au-delà de vous, avec le Nobel, c'est toute la France
qui se trouve honoré. Oui, c'est d'ailleurs dans cet esprit-là que je compte... Oh oui, bien sûr, bien sûr. Et moi, si je fais tout cela, c'est pour vous, uniquement pour vous. Hein. Parce que moi, la France... Ah, la France, vous ne... La France, je n'aime pas du tout. Et peut-on savoir? Parce que c'est la fille aînée de l'Église. Voilà. Et cela, depuis que Pierre, étant Pierre, a mis Pierre sur Pierre. Pierre sur Pierre. Hein? Bon, et puis j'ai horreur des calembours. Compris? Très bien. Topé. Le Nobel, bien sûr, mais d'un autre côté, 5 femmes d'année. Écoutez, j'ai un roman en train sur la marine à voile. Ah. 300 hommes à bord. Oh. Je vous échange l'équipage. Oh, non, je veux vos femmes. S'émancipe depuis quelque temps, les femmes, hein? Prennent du galon, de l'autorité. Ne vous craignent plus. Prennent vos places. Sont gendarmes, pilotes de ligne. Saint-Cyrien? Ma nièce est Saint-Cyrien? Monstrueux. C'est vrai qu'elle devient de plus en plus agressive. Ha. Tenez, l'autre soir, comme d'habitude quand j'ai un peu bu, j'ai giflé ma femme. Ah, bravo! C'est monstrueux, c'est répugnant. Bravo! Bravo, bravo. Savez-vous ce qu'elle a fait au lieu d'appeler sa mère en pleurant? Oh, ne me dites pas qu'elle a... Si! J'ai cru qu'elle m'avait décollé la tête. Oh, oh, n'hésitons plus. Topon. Il y a encore autre chose. Tous à temps que vous êtes là, seul contre 5 femmes, ça peut prendre plus de temps que prévu. Si le manuscrit est déposé trop tard, j'aurais topé pour rien. Mais rassurez-vous, je ne serai pas seul. Oh, un suppôt? Un suppôt? Un suppôt, oui. Vous permettez? Je vous en prie. Mes chers amis, mes très chers amis, il peut venir à l'esprit de certains d'entre vous, mal informés des choses de l'au-delà, que pour me consacrer à ces 5 femmes, je vais devoir pour un temps vous délaisser. Eh bien non! Je suis comme l'autre, unique et pourtant innombrable, central et néanmoins périphérique, corpusculaire et ondulatoire, solide et gazeux. Être ici ne m'empêche donc nullement d'être là, près de vous, parmi vous, toujours attentif à vous suggérer ces plaisirs défendus, sans lesquels, vous le savez bien, la vie devient rapidement monotone, diaboliquement emmerdante. Et quand je dis ça, évidemment, je pense à l'Éden, au jardin céleste, au divin potager, dont Adam et Ève ne furent jamais chassés, comme on voudrait vous le faire croire, mais dont ils se sont bel et bien tirés en courant. Eh oui, paniqués à l'idée de crever la dalle éternellement sous des pommes immangeables. Ha ! Et puisque nous parlons de plaisir défendu, laissez-moi vous dire combien parfois votre ingratitude me blesse. D'autant que je n'exige pas, moi, comme un que je connais, en guise de remerciement, des ex-voto, des cathédrales, des calvaires ou des processions, non, mais de temps en temps, après une bonne bouffe, par exemple, ou une belle gourmandise extra-conjugale, une petite pensée reconnaissante me toucherait infiniment. Encore que, j'aime aussi beaucoup l'ingratitude. Ce soir, comme chaque soir du reste,
je reconnais parmi vous des amis très chers qui m'appartiennent déjà. Rassurez-vous, je ne citerai personne. Je n'ai pas le temps. Merci d'être venu et à bientôt. Enfin, à bientôt. À tôt ou tard. Bon, donc, le Goncourt, le Nobel et surtout, surtout, la gueule des confrères. La gueule des confrères. Ah, la gueule des confrères! Mais fallait commencer par là, diable d'homme! On va surtout commencer par pimenter un peu tout cela! Pardon, j'entre. Personne à l'accueil. Voyons plus loin, suis-je dit. Vous désirez l'intérimaire, peut-être? Pas du tout. Ah. Bonjour, mesdames. Je viens de la société Mondia, carte géographique à l'étage du dessus. Enfin, j'en viens sans en venir, c'est fermé le lundi. Vous me prêtez votre stylo et du papier pour leur écrire un mot que je vais leur laisser sous la porte. Oui, oui, voilà. Mademoiselle. Madame. Madame, déjà. Vous avez bien le temps. Bon, enfin. Voyons, voyons, comment va j'écrire cela? Je ne sais pas, mais je me permets de vous faire observer que si nos bureaux sont ouverts, c'est que nous travaillons et que... Je comprends, madame, je comprends. Mais d'un autre côté, vous devez comprendre que je ne peux pas partir en Amazonie à l'aveuglette. Voyons, c'est immense, l'Amazonie. Et gros sailleux, sans carte, pensez. Vous allez en Amazonie, donc? En Amazonie, oui. Encore quelques fois à réunir et... Vous connaissez l'Amazonie? Non, alors j'ai failli une fois, et puis... Eh oui, c'est toujours pareil. On remet à demain, à plus tard, et finalement, voilà. On ne va jamais en Amazonie. C'est ça, voilà. Ce qui vous explique pourquoi l'Amazonie est encore si mal connue. Trop de gens ont remis. Moi non plus, je ne connais pas l'Amazonie. Bon, les deux ans de l'Équateur, le Tibet, comme ma poche, mais pas l'Amazonie. La seule chose que je sais, en revanche, c'est que le dernier explorateur à s'être risqué sans carte l'a beaucoup regretté. Il en est revenu à tête cuite au feu de bois et grosse comme le poing. Méconnaissable, il était. Et avec une tête comme ça, quand il a essayé de mettre son chapeau. Sans parler des plaisanteries des copains. Ah, salut, petite tête. Je crois que quelqu'un vous appelle au téléphone, madame. Voilà, besoin, carte, urgent, Amazonie, repasserai demain, Nicolas Kouliakine. C'est court, c'est clair, c'est ferme, j'ai le sens de ça. Comment vous remercier, madame? Un récit de voyage? Un genre d'ibédin? Une danse guerrière? Non. C'est d'ailleurs tout à fait naturel, ce genre de service. Certes, mais vous auriez pu me rendre ce service avec moins de grâce. Hein? Mais moins de grâce, le pourriez-vous? Mes hommages, madame. Madame. Oserais-je vous demander, madame, de ne plus jamais remettre un départ? Oh, oui. Partez, n'attendez plus, oui. Cueillez dès aujourd'hui, etc. Promis? Voilà, bon voyage. Madame, aucune d'entre vous, mesdames, n'a l'intention de se rendre vers la Bastille? Grève les taxis, si je peux vous être utile. Non, vous êtes très aimable, non. Ah, c'est dommage, moi j'ai ma voiture. Eh bien, je crois que je vais profiter de l'occasion. Bah, Stéphanie, que vas-tu faire à la Bastille? Je t'ai dit mon intention d'aller chez Mathilde, à la ville Boulevard Beaumarchais. En route? Mais monsieur disait ça comme ça! Non, pas du tout comme ça! En route, en route! Laisse maman, je t'appellerai de chez Mathilde, ne t'inquiète pas! Laissez maman, nous vous appellerons de chez Mathilde, j'y vaillerai! Alors vous allez voir, je conduis très mal, mais très très lentement, ce qui permet de percevoir les insultes qui échappent quand on roule vite! Quel mufle! Oh, mufle! Ah, c'est évident, Olivia, que ce monsieur n'est pas un objet ordinaire. Madame! Ah ben, mais je me sens pas très bien, hein! Mes nerfs prennent le dessus, hein! Ah ben, depuis que je suis jeune ce matin, ça passe pas, hein! Prenez deux aspirines, Gilbert. Oui, madame, un petit verre de quelque chose, vous croyez pas que... Puisque vous allez me le casser...
ben, il n'y a plus de cognac, ben, il y a peut-être du whisky ou autre chose. Tiens, du chouchène. Ah non, hein, pas du chouchène, hein, parce que ça me fait trop penser à chouchène. Berg, ah ben non, madame. Et pourtant, hein, madame, le cognac, eh ben, c'est nettement meilleur, hein, pour les nerfs. Hein. Oh. Bon, allez, j'ai compris. Moi, j'y vais. Je passe par l'appartement. Oui. Comme ça, j'irai voir Gilberte en partant. Hein. Quand même, l'Amazonie. Oui, mais d'un autre côté, cuite au feu de bois. Hein. Ah oui, et mon chapeau. Oh. Bon, alors, Monsieur Leray Bayou, oui, l'intérimaire. Oui, faites l'entrée. Bonjour madame. Bonjour monsieur, je vous en prie. Merci. C'est pour une intérimaire. C'est cela. Voilà. Pour quand et où? De demain jusqu'à jeudi, de 9h à 11h. C'est pour mon courrier. J'ai une entreprise de chauffage. Parfait. Anglais, allemand, espagnol? Pas nécessaire, mais veillez cependant à ce que l'intérimaire que vous m'adresserez ne soit pas trop jeune. Pas trop jeune? Enfin, je veux dire, pas une gamine. 40, 50, 60 ans ou plus si vous avez. Plus de 60 ans? Oui. Ah. La dactylo d'un certain âge apporte dans sa frappe comme dans son comportement une pondération, hein, un sérieux qui favorise la concentration pendant la dictée. Mais certainement, c'est un point de vue tout à fait sensé que nous tentons du reste d'imposer à nos clients. Non sans mal. Alors voyons, voyons. Ah ben... Évidemment, ce qui vous conviendrait le mieux, c'est si Gilberte, mademoiselle, soit un don. Sérieuse, pondérée, bon, avec un physique favorisant la concentration. Ne cherchez pas plus loin, c'est d'accord. Parfait, parfait. Voici nos conditions. Nos tarifs sont les mêmes que les autres agences. Voilà. Et pour le contrat, est-ce que... Excusez-moi, Stéphanie me demande si vous pouvez lui prêter votre foulard bleu. Il y a les oiseaux. Excusez-moi, monsieur. Mon foulard bleu? Oui, où il y a les oiseaux. Mais Stéphanie sait que je travaille. Et je suis avec un client. Oui, je suppose qu'elle le sait, mais à moi, elle a dit... Pendant que je fais ça, va demander à maman, etc. Les oiseaux. Je vous en prie, madame, allez chercher ce foulard avec les oiseaux. Merci, merci. Mais vous vous tutoyez avec Stéphanie? Oui, nous sommes mis d'accord là-dessus dans l'ascenseur, en descendant. De nos jours, on se tutoie très vite. Oui, oui, c'est rapide, c'est rapide. Mais pendant que je fais ça, que fait-elle? Ma voiture est coincée entre deux voitures. J'ai confié la manœuvre de dégagement à Stéphanie. C'est dur, mais je pense que ça va aller. Surtout si les gens cessent de rigoler comme des imbéciles en la regardant manœuvrer. Et vous ne pouviez pas le faire vous-même? Si, bien sûr. Mais comme je l'ai expliqué à votre fille, je conduis très mal. Je vais bousiller ma voiture et les deux autres. Stéphanie pense en tirant en ne bousillant que celle de devant. Un constat au lieu de deux, ça ne se refuse pas. Vous ne faites pas l'Amazonie en voiture? À pied. Ah, parfait. Stéphanie de ne pas me le perdre. Il faut vivre avec son temps. Merci maman. Au revoir monsieur. Au revoir jeune homme. Charmant. Charmant, oui, un peu familier. Parce que je ne connais ce jeune homme que depuis 5 minutes. Ah. Et ma fille aussi du reste. Bon, alors pour le contrat, mademoiselle Soidon Laura, vous le signerez demain ou après-demain. Alors, c'est parfait. Voilà. Au revoir madame. Au revoir monsieur. Oh, ma Sainte-Armelle! Qu'ai-je fait de ma Sainte-Armelle? Vous me permettez. Sainte-Armelle, vous avez dit? Sainte-Armelle, oui. Je viens de l'acheter. Le portrait est sans intérêt, mais le cadre du XVIIIe siècle est tout à fait charmant. 400 euros le tout et une affaire.
Donc nous disions 9h, hôtel Poincet, mes hommages madame. Saint-Armel, vous avez bien... Vous dites hein, Saint-Armel, c'est ça hein? Saint-Armel, oui. 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 Jamais entendu parler jusqu'à ce matin. Ah. Du peintre non plus, du reste. Moi, c'est le cadre, n'est-ce pas hein? Le reste... Oh, je suis confuse. Oui. Pourriez-vous me montrer ce portrait? Le portrait de Saint-Armel? Oui, si c'est bien Saint-Armel, je suis son arrière-arrière-petite-nièce. Non. Si. Mais c'est extraordinaire, mais avec joie. Si cela ne vous retarde pas. Mais non, pas du tout, pas du tout. Ah, ça, pour une coïncidence, c'est une coïncidence. Je dois avouer que... Vous permettez? Je vous en prie. Bon, voulez-vous des ciseaux? Non, non, le cadre, je ne voudrais pas. Vous comprenez? Oui. Ah, ah. Pensez que j'avais votre arrière-arrière-grand-tante sous le bras pendant tout ce temps. Le monde est petit. Et dites-moi, connaissez-vous le visage de votre arrière-arrière-grand-tante? Ah là là, vaguement. Une photo archi-floue de l'époque, vous savez, c'était les débuts. Mais je crois que je la reconnaîtrai. Oui, bien sûr, bien sûr. Ah, ce nœud. Et si ce n'est pas indiscret, qu'est-ce qui a valu à votre arrière-arrière-grand-tante d'être canonisée? Une apparition. Saint-Armel, madame. Oh, oh, c'est bien elle. C'est bien Saint-Armel. Oh. Oh, comme son visage est pur. Et ce regard. Ah oui, c'est éblouissant. Le regard est très bien rendu. Hein. Et d'ailleurs, je trouve même entre vous une certaine ressemblance. Ah. Le front, vous avez le même front. Vous trouvez? Ah oui, c'est indiscutable. Hein. Et d'ailleurs, l'ensemble du visage a un air de famille à n'en point douter. Oh. Ça, si on m'avait dit. Et donc, elle a eu une apparition. Oui, dans une grange, près de Châteaudun. Dans une grange? Oui. Comme c'est curieux. Dans une grotte, à la limite, mais une grange, elle dormait sans doute. Armel n'était pas seule. Ah. Oui, selon le récit de l'événement, Armel aurait été attiré dans cette grange par Satan. Par Satan? Oui. Mais dans quel but Satan aurait-il attiré Armel dans une grange? Dans le but... Armel avait 20 ans à cette époque. Ah, je vois. Mais êtes-vous bien sûr que c'était Satan? Je veux dire, depuis des milliards d'années, des jeunes filles sont attirées dans des granges. Est-ce toujours bien Satan qui... Attention, je ne le défends pas. Être abominable. Je me demande simplement si... Dans le cas précis, c'était bien Satan. Armel n'était pas une fille comme les autres. Dès sa deuxième année de catéchisme, elle s'est sentie appelée confusément à la vie religieuse. Et Satan, sous les traits d'un beau et jeune comédien appartenant à une troupe de passage... Ah, ça, les comédiens en tournée, c'est quelque chose, hein. Satan tentait par ce moyen de détourner Armel de consacrer son âme à Dieu. Ah oui, je vois, c'est un cas particulier. Et au moment où Armel allait... succomber à la tentation, si je puis me permettre. Marie-Madeleine m'est apparue. Allons bon, je veux dire, ouf. Oh, le miracle. Ah oui, indiscutablement, c'est un miracle. Un miracle. Alors, sur l'ordre de Marie-Madeleine, Armel s'est dressé d'un bond. Va des rétro, Satanas. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Ah. Une crampe. Ah, ouf, continuez. Ah. Alors donc... Va des rétro, Satanas. Oh, bah. Non, là, mon pauvre monsieur, il va falloir consulter un médecin. Hein. Ah, j'y songerai. Passons sur cet épisode. Et que devient Satanas? Je veux dire Satan. Satan se relève et disparaît par la porte de la grange, enfumé. Enfumé? Pas de doute, c'était bien lui. Et par la suite, Armel a eu d'autres apparitions de Marie-Madeleine. 8, je crois. Armel est retourné 8 fois dans des granges avec des acteurs. Ah non, 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 non. Armel est rentré en religion. Et Marie-Madeleine lui est apparue 7 à 8 fois au pied de son lit. Ah, voilà l'histoire de mon arrière-arrière-grand-tante. Eh bien, chère madame, je comprends mieux l'importance que vous attachez à ce portrait, qui n'a pour moi aucune valeur, si ce n'est qu'il m'a permis de bavarder quelques instants avec une femme charmante. Oh. Permettez-moi de vous l'offrir. Oh, je ne peux pas l'accepter. Faites-moi ce plaisir. Bon, dans ce cas-là, je vous offre l'intérimaire. Ah, excusez-moi, c'est Gilberte Christener. Mon Dieu, que se passe-t-il? Gilberte Christener, ai-je cru comprendre? Ah, bon,
Ah. Des claques de chef, ça, hein? Ah oui, impressionnant. Asseyez-vous, madame la belle Ivard descend. Non, non, je partais. Vous êtes bien jolie, mademoiselle. Vous trouvez? Ah non, parce que je commençais à en douter. Doutez-vous, mais enfin. Ah si, si, depuis 15 minutes, je me disais peut-être que... Excusez-moi. L'intérimaire que je vous destine est un peu nerveuse, mais connaissant vos goûts et vos exigences, elle vous conviendra parfaitement. Mon prix, j'ai perdu mon prix avec la queue de sauter, regardez là. Ah bah non, y a pas de bruit pour ma jambe. Je vous avais pourtant dit que je pouvais sourire à personne comme ça. Ça suffit. Vous voyez bien que je ne suis pas seule. J'ai un peu de profus. Mes hommages, mademoiselle. Pardon? Je dis mes hommages, mademoiselle. Mes hommages, mademoiselle, à moi? Bah oui, je... Vous savez, on rencontre de moins en moins de gens bien élevés. Et Gilberte, ce matin, a subi une petite épreuve. Disons qu'elle n'est pas habituée à ces formules courtoises. Ah bah c'est un nom, hein. Je suis pas habituée, hein. Parce que je sais pas... Mais je suis certaine que mademoiselle Swindon vous donnera toute satisfaction. Swindon, quel nom charmant. Comme la personne. Comme la personne. Charmant comme la personne. Ce n'est rien, je vous en prie, ce n'est rien. C'est bien la première fois que je vois un compliment provoquer un effet aussi désastreux. Décidément, je ne comprendrai jamais rien aux femmes. Écoutez, mon cher monsieur, il ne faut pas essayer de nous comprendre, mais de nous prendre comme nous sommes. Je prends. Je vais voir quoi? Mais vous allez voir comment Stéphanie est devenue la maîtresse de Nicolas. Stylo, papier, prenez des notes. Mais si ça se passait il y a 3 semaines? Et alors? 3D, 4K, 360 degrés! Ah, vous projetez en 3D? Évidemment. Ah! Ah! Vous n'êtes pas prêt de l'inventer, ça, hein? Attendez, attendez. Mais avant que l'homme invente la vidéo, comment faisiez-vous pour... Invente. Mettez-vous en tête que l'homme n'invente rien qui ne soit déjà. Tout existe avant tout. Forcément. Forcément, oui. J'enregistre depuis le 6e jour de la création, depuis que l'autre a fait l'homme et la femme. Je peux vous passer la vie de Noé, si ça vous amuse. Bof. Oh si, quand il avait un peu bu, Noé, il en sortait de raide. Quoi? Des salaces. Hein? Des dégueulasses. Ah. Donc, il y a 3 semaines, c'est-à-dire 1 mois après leur première rencontre dans les bureaux de Paris Intérim, Stéphanie devient la maîtresse de Nicolas. Et suivez bien, je ne vais pas passer la scène 35 fois. Ça use le matériel. Non, ça n'use pas le matériel.
Il est éternel. Mon matériel! Excusez-moi. Ne vous fâchez pas! Quel caractère! Mais quel caractère! Infernal! Pardon. Tu m'as dit avant-hier qu'il était à Toulouse jusqu'à dimanche. Oui, mais il aurait pu rentrer cet après-midi à l'improviste. Ça lui arrive. Il ne fait même que ça. Et puis, je me suis installée chez maman pour le week-end. Tu penses qu'il se méfie? Je ne suis pas idiot. Avant de sonner, j'ai écouté. Pas de cris, pas de pleurs. Puis j'ai regardé sous la porte. Pas de sang, en flaque ou en rigole. Il est à Toulouse, me suis dit. Oui, bon, que veux-tu? T'emmener dîner. M'emmener dîner? Mais tu rêves? Gérard va appeler ou arriver, tu imagines? Eh bien, appelle-le. S'il est à Toulouse, tu as largement le temps d'aller dîner. Mais pourquoi l'appeler? Il va appeler! Il a un coup de... Café d'à côté. Tu peux appeler du café d'à côté en disant qu'il est à Toulouse. On est malin quand on est jaloux. Appelle-le toi, tu seras plus tranquille. Non! Et puis, pourquoi vouloir m'emmener dîner? Il ne suffit pas déjà de me rencontrer lorsque je fais mes courses. C'est déjà trop, si tu veux mon avis. Je ne peux plus acheter mes oranges sans t'avoir sur mes talons. Eh bien non, ces vraies rencontres chez les commerçants ne me suffisent pas. Ne me suffisent plus. Et à toi non plus d'ailleurs. À moi non plus. À toi non plus. Allez viens. Non. Tu fais tout ça en dînant. Non. Et je vais même te dire qu'à partir d'aujourd'hui, je veux faire mes courses seule. Je veux acheter mes œufs, mes oranges, mes légumes. Allô, Gérard? Bien, mon chéri, et toi? Fatigué? Alors dîne vite et couche-toi. Oh, du travail! Dis-lui que tu vas au cinéma avec une amie. Pour toute l'Europe, c'est formidable! Non! Mais si, pour voir, seulement pour voir! Oui, je suis contente pour toi. Dis-moi, mon chéri, ce soir, je vais peut-être aller au cinéma avec Mathilde. Donc, si tu dois me rappeler d'ici une heure ou deux, ne t'inquiète pas. Quel film? Je ne sais pas, c'est Mathilde, histoire de sortir un peu. Comment ça, tu ne veux pas? J'ai compris. Tant pis. Au revoir. Mais enfin, Gérard, je peux quand même aller au cinéma avec Mathilde. Non, pas sans toi. Mais enfin, tu ne vas jamais au cinéma, ni au théâtre, ni même dîner en ville. Rien, jamais. Oui. Eh bien, je t'interdis désormais de m'interdire d'aller au cinéma avec Mathilde. Allô? Allô? On nous a coupé. C'est bête, ça. Rappelle-le. Ah bah oui, parce que là, m'interdire d'aller au cinéma avec Mathilde, une amie de 20 ans... Et une fille sérieuse, après ce que tu m'as dit. Très. Enfin bon, si tu as l'habitude d'obéir... Allô, le Sofitel, monsieur Dugard, s'il vous plaît, chambre 306, merci. L'habitude, l'habitude. Non, je n'ai pas l'habitude. Bah, alors, sors avec Mathilde. Allô, Gérard. Alors, c'est décidé. Tu me refuses la permission de sortir avec Mathilde. Tu me la refuses. Parfait, je la prends. Oh. Une chose certaine, il n'est pas au café d'à côté. Pas au café? Grâce à cette coupure providentielle qui t'a amené à le rappeler. Merci, patron. Nous savons désormais que ton mari est à Toulouse. Allez, viens. Merci, patron. C'est à vous qu'il a dit ça? Évidemment. Et elle n'entend pas. Mais vous avez bien vu que non. Oh, ça non plus, n'êtes pas prêt de l'inventer, hein. Mais enfin, je ne suis pas habillée pour aller dîner, et puis il faut que je me coiffe. Eh bien, habille-toi. Coiffe-toi, nous ne sommes pas pressés. Mais enfin, Nicolas! Depuis combien de mois ne t'es-tu pas faite belle pour aller dîner? Tu peux dire depuis combien d'années? Tu vois, ne te refuse pas ce plaisir-là. Allez, va vite! Mais enfin, pourquoi tiens-tu tellement à m'emmener dîner? Mais parce que je t'aime, tout simplement. Mais non, Nicolas, laisse-moi, je ne peux pas, je ne t'aime pas! Mais si, tu m'aimes. Mais comme tu es très timide, c'est à moi de faire les premiers pas. Fortiche, je suppose, hein? Ouais.
C'est juste parce que c'est sa spécialité, hein. Sinon, fais aussi les granges. Mais ne coupez pas! Mais pourquoi coupez-vous? La suite est sans intérêt. Et maintenant? Sans intérêt? Mais comment voulez-vous que j'écrive ce qui s'est passé si je ne l'ai pas vu? C'est un roman qu'on vous demande. Pas un reportage! Et maintenant, en direct... Oh, je vais faire appel à des souvenirs personnels. Et maintenant, en direct de... Et vous ne les louez pas, vos enregistrements? Et maintenant, en direct de Paris intérim, où depuis 2 mois, j'ai réussi quelques jolies métamorphoses. Non, nous n'avons plus de personnel intérimaire disponible. Voyez nos 2 succursales, rue de la Pompe et rue de l'Abreuvoir. Mais non, ce n'est pas voulu Pompe et Abreuvoir, c'est une coïncidence. Oui, voilà, salut. Bonjour Olivia. Bonjour madame. Ouh, ça va pas mieux on dirait. Non, encore un petit effort. Nous sommes vendredi. Ce soir, vous partez en week-end. Les planches et youpi. Les planches? Quelles planches? Bah Deauville. Mais je ne vais plus à Deauville. Ah? Je ne vais plus nulle part d'ailleurs. Vous n'allez plus à Deauville? Et que faites-vous de votre rééquilibrage hebdomadaire? Bon, Olivia! Oui? Vous êtes malade? Non. Olivia! Oui? Je ne doute pas que vous ayez des problèmes. Hein. Alors, ce qu'il faudrait, voyez-vous, c'est éviter de les ramener au bureau. Ne me dites pas que c'est le départ de Madame Labelli qui vous a perturbé à ce point! Non. À propos, elle m'a demandé de vos nouvelles. Ah! Oui, elle m'a appelé chez moi ce matin au téléphone. Et c'était vraiment très tôt le matin, hein, parce que 2 heures sonnaient à Notre-Dame. Je suis à New York, je t'appelle avant d'aller dîner. Oh, bref, aucun sens du décalage horaire. Alors, elle m'a demandé de vos nouvelles. Je ne lui ai rien dit, bien entendu, mais il va falloir vous reprendre, hein. Un chagrin d'amour, peut-être. C'est fou ce que cette fille a pu changer en 2 mois. C'est incroyable. Oh. Allô, Albert, c'est moi. Je ne rentre pas déjeuner. Il doit rester des œufs dans le frigo. Fais-toi une omelette. Non, pas forcément une omelette, non. Tu peux aussi te les faire brouiller au plat, à la coque ou à la neige. Voilà. Ensuite, tu n'oublies pas d'éteindre le gaz. Tu débarrasses la table et tu écris. À ce soir. Il faut prendre sur toi, ma petite, t'assumer, faire face. Bonjour, madame. Bonjour, Gilberte. Encore une nouvelle tenue? Oui, pas très chère. Un type en bas de chez moi qui ferme sa boutique. Il saute ses soldes. Elle vous plaît? Oui. Enfin, celle d'hier était plus sexy, tu crois? Oh oui, mais hier, c'est parce que je sortais. Après le cinéma, un petit tour chez Régine et ce fut encore un coup de 4 heures du matin. Oh, la nuit d'avant, le bus Palladium. Il commence à tirer de la jambe, mon flirt. Votre flirt? Mais qui? Schuschenberg, évidemment. Vous ne faites pas la peur, mademoiselle. Au revoir, mademoiselle. Eh bien maintenant, Schuschenberg, c'est ici au pied couché. Donc, je me retire dans mon écran. Ah, j'oubliais. Oui. J'ai enfin persuadé Schuschenberg à prendre mademoiselle Pommard. Mais ça n'a pas été facile, hein, parce qu'elle est vraiment très, 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 très moche, mademoiselle Pommard. Elle me fait penser à l'arrière-goût gauche de la tour de la cathédrale d'Amiens. Presque en plus vieille. Et pour placer ça, enfin, bon, ça y est. Oh, dites. Oui. Vous avez un truc. Voilà, j'ai un truc. Allô, Nicolas? Oui, c'est moi. Je te réveille pas, j'espère. Pas fermer l'œil. Oh, mais bien sûr, mon pauvre ami, bien sûr. Mais ne t'en fais pas. Je crois que j'ai résolu le problème. Oui, la totalité. Oh, tu vas la faire ton exploration, mon chéri. Oui. Bon, un ami, je t'expliquerai.
Monsieur Leray Bayou, oui, tu ne connais pas. Voilà. Repose-toi. Tranquillise-toi. Attends-moi. Oui. À toi. Ouh, folle tumeur. Oui. Allez, à tout à l'heure. Eh bien, dites donc. Oui. Ah, bah voilà. À votre âge. Ah, oui. À mon âge. Et oui. Aussi. Ah, oui. Oh, oh folle tumeur. Oh, reste où tu es. Tant d'années de mariage, en être encore... Enfin, c'est quand même merveilleux. Mais oui. Mais oui, mais Albert et moi, c'est comme au premier jour. Hein, c'est... Ah, au fait, avez-vous des nouvelles de Madame Labellie? Oui. Alors, figurez-vous, de la dignité de la femme, c'est un triomphe à New York. Oh. Mais comme partout du reste, l'Élysée lui a même téléphoné pour la féliciter. L'Élysée. L'Élysée. Marlène Schiappa lui a écrit un petit mot. Et Muriel Robin, Brigitte Macron, Angel, enfin toutes. Hein. Et pas les plus sympathiques d'ailleurs. Hein. Mais dis donc, quelle ascension de moi. Ça, je dois dire que Monsieur Leray Bayou est efficace. Hein. Moi, j'ai jamais vu un homme avec autant de relations, et dans tous les milieux. Enfin, j'espère que cette gloire ne va pas monter à la tête de Madame Labellie. Suzanne! Mais oui! Imperturbable! Et les cadeaux qu'elle reçoit! Au Texas! Oui. La femme d'un éleveur lui a offert deux bœufs! Deux bœufs! Oui. C'est l'attention qui compte, hein! Et à Atlanta, en Géorgie, les ouvrières de la manufacture d'armes lui ont offert un revolver en crosse de nacre! Non, mais avec son nom gravé sur le canon! Oh, c'est merveilleux ça! Mais Monsieur Leray Bayou vient bien ce matin, hein? Mais bien sûr, comme tous les matins! Paris Intérim le passionne! Il devait repartir en Argentine, et puis au final il est encore là! C'est normal! Nos deux succursales sont quand même son œuvre! Ça, je dois dire que on n'a pas fini de le remercier. Hein? Ah, ça c'est sûr! Et je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais moi, je trouve la vie beaucoup plus rigolote depuis que je le connais. Ah oui, c'est possible. Oh, mais si, hein. Et même vous. Même moi. Oui. Depuis deux mois, je vous trouve plus pétillante, plus... Vous donnez davantage. Comment ça, je me donne davantage? Bah, ce que vous faites. Bah oui. Je suis une secrétaire retraitée de la Compagnie des Eaux. Elle vient offrir ses services français, breton... Quel âge? 62 ans, je la vire. Alors, vous voyez là, rue de la Pompe, 62 ans. Comment est-elle physiquement? Elle en fait 75. Oh, rue de la Pompe. Mais rue de la Pompe, vous dis-je, allez! C'est dingue! Je me faisais la réflexion. Ce qu'Olivier a pu changer en deux mois, c'est incroyable. Chagrin d'amour. Ah, elle dit que non. Mon œil. La vérité, c'est qu'elle est tombée sur un bec. Non. Olivia. Oui, Olivia, la belle, irrésistible. Enfin, vous vous souvenez de ce jeune homme qui est venu une ou deux fois il y a un mois et demi, deux mois? Mais si, il préparait une expédition en Mozambique, je crois. Non, l'Amazonie, Nicolas. Enfin, non, il me semble qu'il s'appelait Nicolas. Ah ben je ne sais pas, mais vous n'avez pas vu qu'Olivia faisait tout pour qu'il la remarque et que lui faisait exactement le contraire? Non, pas vraiment. Ah, mais maintenant vous me le dites. Mais oui, alors, du coup... Eh bien alors, elle l'a relancé. Ah. Dieu sait comment elle s'est procuré son numéro de téléphone et son adresse. Toujours est-il qu'elle l'appelait. Il raccrochait. Elle est même allée le voir. Il l'a laissé sur le pas de la porte. Quand elle a compris que ça ne fonctionnerait jamais, eh bien, elle a commencé à sombrer. Et maintenant, vous avez vu? Eh bien, elle est à 100 mètres de fond, là, elle sombre. Ça, par exemple. C'est là quand même la première fois qu'un homme lui fait cela. Enfin, marqué.
Je la comprends. Elle est belle. Elle est tellement magnifique. J'en suis même venue à me demander s'il n'était pas un peu pédérasse. Non, je suis certaine que non. Ah bon, vous croyez? Non, enfin, je ne pense pas. Ah. Moi, je la reconnais tout de suite. Hein, et, alors, je n'ai vu ce garçon qu'une nu. Il y a deux mois comme vous ici. Et je me suis dit, oui, tiens, ce garçon n'est pas pédéraste. Ah non, alors, moi je pense plutôt que ce garçon aime une autre femme, voyez-vous, et qu'elle lui suffit. Oh, heureuse femme alors. Je n'ai pas compris. Pédéraste. Allô, Nicolas! Tu devineras jamais ce qu'on vient de me dire! Alors, comme ça, tu dis... Monsieur Nasquin, pour Mademoiselle Soindon. Oui, bah allez le lui dire, c'est à deux pas! Gilbert, c'est Nasquin! Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour, monsieur Nasquin, comment allez-vous? Bonjour, cher Gilbert. Je reviens d'Aix-en-Provence. Ah! Et devinez ce que c'est. Oh, bah des santons. Mais non, ça se mange. Ah, ça se mange. Oh, de l'ail. De l'ail en paquet cadeau, allons. Des cas. Des cas. Des calis. Oh, des califourchons, c'est ça! Oh, comme c'est gentil. Moi, c'est quand même la première fois qu'on m'en offre, hein. Mais enfin, des califourchons, là-bas, ils appellent ça des calissons. Ah! Comme des bonbons, si vous préférez. Des bonbons calissons. Voilà. Oh, c'est vraiment gentil. Ah, c'est vraiment dommage, mais en ce moment, je peux rien manger à cause de mon bridge. Ah. Vous vouliez me voir? Oui, alors voilà. Allô? Oui, l'agence de Bordeaux. Oui, je vous prends là-haut. Alors voilà, je voulais vous présenter Monsieur Rodin, l'ami dont je vous ai parlé. Bon, il est très intéressé par votre système d'intérimaire couplé. Oui, mais c'est qu'en ce moment, je n'ai que du 19-20 ans à coupler avec mes vieilles. Alors, je ne sais pas. Du 20 ans, ça fera l'affaire. Et en plus de ça, il prendrait bien la vieille. Deux jours. Alors, par contre, la jeune, au moins trois jours. Ah, ben c'est très bien. Dans ces cas-là, je peux lui proposer... Oh, Madame Serpan, 64 ans, qui a tellement besoin de travailler. Ouais. Couplée avec la petite Nicole. Oh, vous en aviez été contente, la petite Nicole, hein? Très, très. Oh là 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 là. Alors, la petite Nicole. Bon, il lui faut une demi-heure pour taper une adresse sur une enveloppe. Mais alors, bien. Hein. Alors là, vraiment bien. Hein. Voilà, c'est ça, elle y met du sien. Alors voilà, écoutez, Rodin habite à deux pas d'ici et j'ai ma voiture. Voulez-vous qu'on y aille? Oui, mais vous lui avez bien dit, la vieille d'abord. Oui, oui, bah ça, il a bien compris. Oui, parce qu'on a eu une fois et on n'aura plus. Hein. La petite est passée avant et la vieille m'est restée sur les bras. Hein. Vous savez, il n'y a pas que des gens honnêtes. Hein. Non, 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 vous savez, avec Rodin, aucun danger. Bon. Très bien, écoutez, ce n'est pas encore fait. Oui. Mais je pense avoir... Du 17 ans pour demain ou après-demain. Oh, 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 du 17 ans? Oui. Pendant 15 jours. Pendant 15 jours. Toutes les vacances de Pâques. Toutes les vacances de Pâques, c'est formidable. Elle est en terminale. Oh, en terminale. Oui. Et elle veut s'acheter une 125 centimètres. 125 centimètres cubes, ben oui. Une Fujiyama. Fujiyama. Pour aller rendre plus souvent visite à sa mère grande. Ah, sa mère grande, ben oui. Dans la forêt. Dans la forêt. Oh, mais quel gosse! Comment ne pas rendre service à des gamines comme elle? Bien sûr, mais c'est magnifique! Ah. C'est magnifique! Moi, je tiens absolument à lui rendre service! Oh, ah, oui. Oh, c'est vraiment gentil! Comme ça, je vais pouvoir coupler avec cette petite jeune la boiteuse! Ah oui! Ah, mais effectivement, c'est...
Enfin, ça fait rien, je suis preneur. Et pourtant, je la connais, la boiteuse qui tousse. Horrible, horrible. Elle tousse, mais sans arrêt. Oui, mais vous savez, monsieur Blesquin, oui. le plaisir de rendre service oui. fait passer beaucoup de choses. Oui, c'est vrai. Oui. 17 ans. Oh, monsieur Loret de Bayou, nous ne nous inquiétons pas vous voir. Votre petite visite du matin. Je ne saurais m'en passer, cher Gilbert. Monsieur Loret Bayou, monsieur Lesquin. Monsieur Lesquin était notre premier client il y a 2 mois pour les intérimaires couplés. Une grande idée. Oh, idée admirable. Je ne sais pas comment elle m'est venue. Elle est née de votre cœur généreux, cher Gilbert. Oh, ça doit être ça. J'ai toujours aimé rendre service. Et vous, je les ai expliqué ce que monsieur Loret Bayou a fait pour nous depuis 2 mois. Oui, souvent. Oh, oui. Et vous, oh, ça ne vous rapporte rien, hein? Ni gloire, ni argent. Rien du tout. La paix du cœur, cher Gilbert. Oh. C'est déjà beaucoup. Vous entendez ça? Oui. C'est... J'ai du mal à trouver les mots, d'ailleurs. C'est un saint. Oh. Voilà. Enfin, moi... Je suis un saint. Je dirais même plus. Plus, j'ai peur que... Ah bah, si, hein. Vous êtes un petit peu comme... Le bon Dieu! Sa Darmelle est tombée du mur! Elle a dû être choquée! Ben non! Le cordon s'est cassé! Ah, bah c'est normal, le cordon aussi est du 18e! C'est incroyable! Oh, Michel! Nous nous inquiétions! Chère Florence! Avez-vous réfléchi à ma proposition? Oui, bien sûr. Nous allons en parler plus tard. Évidemment, vous me rendriez un immense service. Excusez-moi, monsieur. Non, hein? Je vous en prie, madame, je vous en prie. Dites-moi, en matière de service, vous êtes intarissable. Monsieur, intarissable. Je ne fais pas tout le bien que je voudrais faire. Vous êtes un homme admirable. Je prends mon sac et nous y allons, hein? Voilà, c'est ça. Eh bien, au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Peut-être aurons-nous l'occasion de nous revoir. Sans aucun doute. Je compte recevoir chez moi tous les clients de Gilberte. Ah. Et Gilberte elle-même sera là pour leur tenir la porte. Tous ces clients, dites-vous? Mais alors, c'est grand chez vous, alors. Immense. Alors, à bientôt. À tôt ou tard. Voilà. Et cet après-midi, avec le thé, les califourchons. Les calissons, Gilbert. Les califourchons. Bon, eh bien, allons-y pour les califourchons. Alors, c'est oui. Bravo. Ah oui, bravo. Bravo, mais c'est risqué, hein. Je ne devrais pas, vous savez. Ça porte un nom, ça. La gestion maladroite à côté, ce n'est rien. Risqué pour une durée aussi courte, mais quel risque y a-t-il? À part une guerre atomique ou une révolution, et encore un week-end. Oui, c'est sûr. 3 jours, ce n'est pas... Mais tout de même, pendant 3 jours, il va manquer 200 000 euros dans les banques de Paris Intérim. Il faut absolument que lundi l'argent soit là, parce que sinon c'est catastrophique pour moi. Enfin, pour moi, pour Paris Intérim, pour Suzanne. Écoutez, c'est simple. Vous remettez l'argent tiré des comptes de Paris Intérim à votre petit protégé. Oui. Pendant ce temps, je donne des ordres à ma banque en Argentine pour qu'une somme équivalente soit donnée à une banque parisienne. L'argent transite par la Suisse. Et lundi matin à 9h, après être passé récupérer les 200 000 euros, je vous les remets ici même. Ni vu ni connu, opération blanche. Oui, c'est parfait. Mais il faut absolument que lundi matin, l'argent soit là à l'ouverture des banques. Parce que Suzanne part d'Amérique dans la nuit de dimanche pour se poser lundi à 10h30. Supposez qu'elle l'appelle la banque. Non, pire que la banque lui téléphone. Allez, tranquillisez-vous. Ayez confiance. Portez ce chèque à votre ami l'explorateur Kalachnikov. Non, Kouliakin! Nicolas Kouliakin! Il est dans un tel état, le pauvre cher ange! Vous savez, quand les lames gilettes lui ont annoncé qu'elles ne le sponsorisaient plus pour son voyage d'études, il s'est effondré!
en larmes dans mes draps. Sur le lit. Non, sur le banc. En fait, c'est sur un banc qui s'est effondré en larmes dans mes draps. Dans mes bras. Ouais, écoutez, c'est bien compréhensible. Imaginez Christophe Colomb, à qui l'on aurait dit la veille de son départ, les potages roicaux nous lâchent. Bah, il se serait effondré sur le lit, lui aussi. Enfin, sur un banc. Dans vos draps, bras. Oui, merci, cher Michel, merci. Alors, pour ce qui est du remboursement... Oui, je file donner les ordres à ma banque en Argentine. Tout de même, 200 000 euros pour aller se promener dans une forêt. Hein. Quand on y pense, il y a quand même des tas de forêts moins loin où il aurait pu se promener pour moins cher. Hein. C'est évident, mais pour intéresser une université à l'étude du comportement des givaros en forêt de Saint-Germain-en-Laye... mais oui, évidemment, évidemment. Voulez-vous que nous allions voir ailleurs si j'y suis ? Ça marche ! L'éditeur à qui j'ai fait lire les premiers chapitres est très optimiste. Il a trouvé que c'était infect et répugnant. Il attend la suite avec impatience. Parfait. Nous sommes dans les temps. Tout sera terminé lundi à midi. Bravo ! 5 fins d'année ! L'éditeur a trouvé que c'était pas beaucoup. Il aurait préféré 6. Mais vous connaissez les éditeurs. Oui, mais 6, c'est trop dangereux. Hein ? Et avec 6, on risque vite une... Bah quoi ? Une bavure ! Et maintenant, en direct de Paris Intérim, où Stéphanie est bien décidée à faire des provisions pour l'hiver. Des provisions pour l'hiver ? C'est une image. Et ne coupez pas surtout, hein ! Elle l'a dans la peau ! Alors chérie, pas ce matin, j'ai mon commentaire avec un chèque qui arrive et surtout, faut que je te parle. Mais Nicolas, lundi tu pars pour des mois peut-être, ça va être long, si long. Allez, tu vas manquer, tout va manquer, viens. Ah, les provisions pour l'hiver, ça y est, j'ai compris. Non Stéphanie, as-tu parlé de divorce avec Gérard? Non, mais à ton retour... Il n'est pas question d'attendre mon retour. C'était hier, ce matin qu'il fallait lui parler. Je t'avais prévenu. Ma décision est prise et bien prise. Je pars à l'Amazonie et j'y reste. Non, Nicolas, non, tu ne peux pas me faire ça, tu ne peux pas me laisser. Et plus maintenant, je t'aime trop. J'ai besoin de toi, tu entends, j'ai besoin de toi. Bien sûr, tu m'aimes, mais pas au point d'exiger de ton mari qu'il te rende ta liberté. Mais Gérard ne divorcera jamais. D'abord parce qu'il m'aime à sa façon, mais il m'aime. Ensuite parce qu'il est profondément catholique et que pour lui, le mariage est bien plus qu'une histoire de contrat. Je connais. L'homme ne séparera pas ce que Dieu a uni. Exactement. Il souffrira, mais il ne divorcera pas. Dans ces conditions, Stéphanie, nous devons nous séparer. Définitivement. Qu'est-ce qu'il joue bien, votre suppôt ? Ouais, ouais. Mais j'ai peur que cela ne suffise pas. Nicolas. Oui, patron ? L'enfant. Bien, patron. Qu'est-ce qu'un homme attend de plus de la femme qu'il aime ? Un enfant, Stéphanie. Un enfant d'elle. Un enfant ? Oui, Stéphanie, un enfant. Dans ces conditions, comment pourrions-nous avoir un enfant ? Un enfant ? Tu voudrais un enfant de moi ? Oui, Stéphanie. Tu es la première femme avec laquelle j'ai envie d'avoir un enfant. C'était mon rêve d'avoir un enfant avec toi. Nicolas, si lundi, avant ton départ, tu as la certitude que je suis libre, libre pour la vie, m'emmènes-tu avec toi en Amazonie ? Oui. Nous aurons des problèmes de passeport, de visa, mais nous nous arrangerons. Tu as trouvé une solution ? Oui, radicale. Seulement jure-moi que nous partirons ensemble lundi après-midi. Je le jure, Stéphanie. Et nous ne nous quitterons plus. Pour l'éternité. Vous
Vous voyez, il fallait l'enfant. Hein? Je ne l'aurais pas cru. Oh, si. C'est souvent avec l'enfant qu'on emporte le morceau. Et vous êtes sûr qu'elle va tuer son mari? Certain. Elle a des amis laborantines. Elle va l'empoisonner. Lundi midi, elle sera libre. Et damnée. Ça vous a plu, patron? Oui. Très bien, très bien. Un peu gros par moment, mais bien, bien, bien. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé. Dites-moi, Nicolas, ça ne vous dérange pas d'être téléguidé dans tout ce que vous faites? Nicolas? Nicolas, je vous parle. Mais pourquoi ne répond-il pas? Pourquoi ne répond-il pas? Mais pour qui vous prenez-vous? Hein? Vous avez mis un cordon neuf? Oui, monsieur. Cassera pas avant 120 ans. Mais que vous arrive-t-il, Olivia? Vous rayonnez, ma parole. Vous qui paraissiez si triste tout à l'heure. Rien. C'est que tout à l'heure, il m'est arrivé une chose, mais une chose. Je n'ose vous le dire tant c'est incroyable. Mais si, quelle chose, mon petit? Eh bien, j'ai eu comme une sorte d'illumination. Une illumination? Oui, tout à l'heure, devant mon bureau. Je tapais un contrat pour Serpollet, les tuiles mécaniques. Gilberte arrive là avec Saint-Arvel sous le bras. Je dis poser ça là, je m'en occuperai tout à l'heure. Je finis mon travail, 5 minutes plus tard, l'illumination. Tiens, mais une illumination à propos de quoi? Eh bien, c'est là que c'est encore plus fort, surtout devant un ordinateur. Une illumination sur la vie inutile que je mène depuis des années. Comme si on me mettait là, sous le nez, un relevé de compte, vous voyez? Mais alors un compte ne figurerait que le temps perdu. Perdu pour moi, pour les autres. Le temps que je perds encore à souffrir comme une idiote pour un garçon qui ne me regarde même pas. Oh. À souffrir, à en mourir, dites. Ah, jusqu'à en mourir. C'est que je songeais sérieusement au suicide, vous savez. Ah. Et c'est un péché mortel, ça, le suicide. Alors que je pourrais consacrer ma vie à soulager des misères. Attendez, attendez. Un péché mortel, se donner la mort? Mais jamais de la vie. Chacun est libre de mettre fin à son existence quand et comme il lui semble. Un garçon ne s'intéresse pas à vous, vous souffrez, vous vous supprimez. Je ne vois pas qui pourrait vous reprocher de ne pas supporter l'insupportable. Et évidemment, vous me conseilleriez donc de... Ah, je ne vous conseillerais certainement pas de souffrir inutilement pendant des années et des années. Une vie entière ou presque à sangloter, avoir les yeux rouges, gonflés, les nuits à imaginer ce garçon dans les bras d'une autre, et leurs étreintes. Et ça, les étreintes dans le noir, comme si on y était. Insoutenable. Non, je ne vous conseillerais certainement pas de supporter ça. Nous serions désolés de vous savoir défunte. Vous savez combien nous vous aimons, mais... Mais ma mort ne serait utile à personne. Mais votre vie non plus. À qui une épave peut bien être utile? Une épave? Mais oui. Vous allez devenir une épave, forcément. D'abord l'alcool pour oublier. Et puis la proie des hommes. Et pour finir le ruisseau. Plus bas. Toujours plus bas. Je pourrais peut-être essayer de lutter, de m'accrocher, Ôtez-vous ça de l'esprit! Vous êtes une faible et vous ne remonterez jamais la pente. Alors autant arrêter tout de suite. D'autant que ce ne sont pas les moyens qui manquent. Vous avez le gaz, qui sent moins mauvais qu'autrefois. Vous avez... Non! Quoi, non, vous n'avez pas le gaz? Non, je ne me suiciderai pas! Et d'ailleurs, tout à l'heure, pendant l'illumination, j'ai pris une décision très grave! Qui est même tout à fait le contraire de cela!
Évidemment, si ce garçon viendrait à s'intéresser à moi, alors je remettrai cette décision à plus tard, ou peut-être à jamais. Mais si je ne venais à jamais le revoir, alors... Oui, si ce garçon s'intéressait à vous... Mais dites-moi, quelle décision pensiez-vous prendre, mon petit ? Eh bien, plutôt que de me supprimer inutilement, je vais entrer en religion. Quoi ? Oui, un ordre missionnaire de préférence. Entrer en religion, vous ? Avec la vie de débauche que vous avez eue pendant des années ? Un amant par semaine, on me l'a dit ? Et alors ? Et après ? Et Marie-Madeleine ? Il y a tant de misère à secourir à travers le monde. 728-33-33. Quoi, 728-33-33? Centre d'information catholique, pour faire ma demande. Mais votre demande, avec la vie que vous avez eue, elle arrivera même pas jusqu'à la sœur Tourière, votre demande. Jetez aux orties avant. Je ne crois pas. Les vocations se font rares et il ne suit pas plus autant sur les antécédents. 728-33-33. Bravo! Silence! Ça, pour un coup dur, hein. C'est un coup dur. Mais non. Oh. Si, Olivia qui prend le voile, c'est un coup dur. Elle vous échappe. Et moi, j'ai promis 5 femmes en enfer à mon éditeur. 5, ça l'amusait. 4, je sais pas comment il va le prendre. Que s'est-il passé? Une intervention de son ange gardien? Hein? Non, je le connais, l'ange gardien d'Olivia. Un gros mou, avec une aile cassée. Incapable de garder qui que ce soit. D'ailleurs, vous avez vu comment vivait Olivia jusqu'à présent. Un amant par semaine. La débauche. Oui, elle avait en somme plus de chances d'aller en enfer avec votre ange gardien qu'avec vous. Je commence à pressentir où il va me dire de le mettre, mon manuscrit, monsieur Plomb. Incident de parcours. Olivia sera damnée. Ah oui? Comment? Patientez. Allez, tiens, voilà ton chèque. File maintenant, quelqu'un pourrait arriver. Comment te remercier? En étant prudent là-bas. Fais attention où tu mets les pieds, hein. Et surtout, reviens-moi vite. Oh, demain, c'est samedi. Emmène-moi déjeuner, tu veux? Si, je veux. Et dimanche aussi? Et dimanche aussi. Oh, ou toi? Folle, tu me rends. Bon, allez, filons maintenant. Vite! Vous m'appelez, patron? Oui, Nicolas. Tu vas emmener Olivia en week-end. Bien, patron. Le grand jeu. 3 jours d'extase, du rare, de l'inédit. Ajoute-y romance et soirée au casino. Dois aimer ça, la missionnaire. Bien, patron. Et pendant la pause, du rêve, le mariage en blanc. Plus tard, l'enfant souriant dans son berceau. Plus tard, souriant dans son bel uniforme de Saint-Cyrien. Bien, patron. Et lundi matin, alors qu'elle est comblée et ivre d'amour et d'espérance, tu la plaques salement devant sa porte, façon va te faire voir. Elle ouvre le gaz. Bien, patron. Et pour Florence, patron? Une lettre de rupture qu'elle trouvera demain dans son courrier. Bien, patron. Et après l'abandon d'Olivia, patron, qu'est-ce que je fais? Mission terminée. Tu retournes au four? Oh non, patron, pas le four. J'ai dit le four! Oh, les retours de Berne sont toujours difficiles. Pitié, mais il ne sait plus ce qu'il dit. Mais faut le comprendre! Florence, Stéphanie, Olivia, c'est plus drôle ici qu'en dessous. Et lundi matin, tous les pétards éclatent au nez de Madame Labelli de retour d'Amérique. Arrestation de Stéphanie, soupçonnée d'avoir empoisonné son mari. Et d'une, avec quoi? Comment? Une cuillère à soupe de strychnine dans le lait du petit déjeuner. Original! Ensuite? Florence
inculpé de faux, usage de faux, détournement. Et de deux, ensuite, l'esquin et la gamine. Une employée surprend l'esquin dénonce Gilberte, Gilberte est appréhendée pour proxénétisme, incitation à la débauche, etc. Et de trois, et celle-là, la Gilberte, c'est pas moi qui la plaindrai. Elle peut cramer jusqu'à la fin des temps. Et de trois, ensuite... Olivia se suicide. Quatre. Et que faites-vous de Madame Labellie, la cinquième? Sali, trahi, ruiné, déshonoré par les siens. Que va faire Madame Labellie en découvrant que Loret Bayou est derrière chacun des coups qui la frappe? Elle va vous balancer un vanérant. Aveuglée par la colère, la honte et le chagrin, elle tire de son sac le pistolet offert par les ouvrières d'Atlanta et tue Loret Bayou. 5. Bravo. Magnifique. Et cette fois-ci qu'elle ne vous rate pas, hein. Mettez-vous bien devant. Et tout prêt. Elle me tuera. Je laisse ma carcasse dans le bureau et je viens vous dicter la fin du chapitre. Mardi matin, le manuscrit sera chez Monsieur Pleu. Bravo. Mais surtout, plus de bavure. Plus de bavure. À quoi ça sert de faire ça devant moi? Hein? Ça m'énerve! Allô? Paris intérim à votre service. Oh, monsieur Loret Bayou! Oui, bien sûr. Ah oui, je vais lui faire la commission. Mais vous pensez que ça va l'intéresser que l'Argentine... Bon, bah d'accord. Ah non, Olivia n'est toujours pas arrivée. Mais vous savez, le lundi matin, elle est toujours plus en retard que les autres jours. Oui. Oui, Madame Labellie arrive en fin de matinée. Nous lui avons préparé une petite réception. Surtout, ne soyez pas en retard. Hein. Elle sera tellement contente de vous revoir. Oui. Et elle va en avoir des choses à nous raconter. Ah, vous aussi. Eh bien, très bien. À tout à l'heure. Bonjour, Gilberte. Bonjour. Monsieur Loret Bayou n'est pas là ce matin? Non, mais justement, il vient d'appeler pour vous. D'appeler? Pourquoi? Vous n'aviez pas un rendez-vous avec lui à 9h30 ce matin? Ah bah si, j'avais rendez-vous. Et qu'est-ce qu'il vous a dit, du coup? Il ne viendra pas. Hein? Comment ça, il viendra pas? Non, il ne viendra qu'en fin de matinée pour fêter le retour de Madame Labellie avec nous. Oh, en fin de matinée? Oui, en fin de matinée, c'est ce qu'il m'a dit. Et, attendez. Ah, si, il m'a dit autre chose. Oui. Oh, je croyais qu'il rigolait. Oh. Il m'a dit... L'Argentine se soulève. C'est tout, oui. Et alors? C'est ce que je me suis dit. Qu'est-ce qu'elle en a à faire, Madame Malavoine, que l'Argentine se soulève ou s'enfonce? Mais d'après lui, ça devrait beaucoup vous intéresser, hein? Parce que là-bas, quand ça se soulève, ils ferment les banques. Et donc, Monsieur Loret Bayou ne pourra pas vous rapporter ce qu'il vous a promis. Il faut attendre que l'Argentine retombe. Voilà. Mais je comprends. Ça a l'air de beaucoup vous ennuyer que l'Argentine monte ou descende. Oui. Oui. Alors, attendez. Oh, en fait, depuis samedi matin, il y a beaucoup de choses qui m'ennuient. Ben oui, je vois bien. Bonjour, il n'y a pas de message pour moi? Non, il n'y a pas de message pour vous, mais vous ne devez pas attendre votre maman à Roissy ce matin? J'en viens, mais elle a été retenue par des journalistes. Oh. Les officiels la raccompagneront jusqu'ici. Eh bien, très bien. Dans ces cas-là, moi, je monte au champagne.
Allô, Gérard ? Je t'ai entendu rentrer de Toulouse cette nuit. Oui, je suis partie tôt ce matin, j'ai pas voulu te réveiller. Oui, pour aller chercher maman à l'aéroport. Bon, finalement, je l'attends chez elle, je t'expliquerai. Tu déjeunes, tu t'habilles et tu viens nous rejoindre, oui. Il y a du lait dans le frigo. Oui, à tout à l'heure. Qu'y a-t-il ? Voilà. En voulant parler à Gérard. Oui. Alors, sans vouloir empoisonner ton mari. Que dis-tu ? Allez, bah laisse-moi finir, j'ai pas terminé. Sans vouloir empoisonner ton mari avec mes problèmes, je me demandais si tu pouvais pas me permettre de l'appeler au téléphone là, tout de suite. Appeler Gérard ? Oui. Au téléphone ? Oui. Pourquoi faire ? Alors, je sais que ça va te contrarier, hein, mais ne penses-tu pas qu'il pourrait me prêter une petite somme, enfin non, une certaine somme d'argent pendant quelques temps ? Non, il ne pourra pas. Bon, écoute Stéphanie, c'est extrêmement important. Tu veux pas au moins me laisser essayer de l'appeler ? Non, je sais qu'il a des ennuis lui aussi. Ajoute que le matin au saut du lit, il est d'une humeur de chien et il ne t'écoutera même pas. D'accord. Et tout à l'heure, quand il sera là, je pourrais l'appeler ? Tout à l'heure ? Oui. Quand il sera là ? Voilà. Oui, si tu veux. Parfait. Mais pourquoi Nicolas ne répond-il pas ce matin ? Voilà ! J'ai mis le champagne dans le frigo. Et tout à l'heure... Et tout à l'heure, bon. Elle ne croit pas si bien dire. Tout de même, c'est incroyable que Florence et Stéphanie en soient arrivées là. Nous ne sommes pas parfaits, bien sûr. Mais de là à mettre de la strychnine dans le lait du petit déjeuner du conjoint. Mais si, vous pouvez tous en arriver là. Il suffit que l'on vous aide. Et je suis là pour ça. Qui d'ailleurs parmi vous n'a pas au moins une fois dans sa vie été tenté de... Voulez-vous toujours voir Olivia rejetée par Nicolas ? Oui, l'abandon, la rupture ! Eh bien, je vous préviens, la vue d'Olivia sanglotante au pied de Nicolas méprisante et inflexible risque d'être pénible à supporter. Marchez ! Eh bien voilà. Je te prie, Olivia, ne me chasse pas, garde-moi près de toi. Non, et cesse de faire tant de bruit, Gilbert va t'entendre depuis le KGB. Allez, sèche tes larmes et bouge-toi, va-t'en, vite dépêche-toi. Mais dis donc, ce n'est pas Nicolas méprisant et inflexible, ça ? À première vue, ça n'en a pas l'air, en effet, mais... À première vue, c'est Nicolas qui se traîne aux pieds d'Olivia ! Méprisante et inflexible ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne sais pas. Mais je donnerai les quatre qui restent. Il y a surtout une sorte de bavure ! Mais je t'aime, Olivia, je t'aime ! Il l'aime ! C'est la bavure ! Nicolas, tu as voulu que je t'emmène, que tu m'emmènes en week-end avec toi, et j'ai cédé. 3 nuits d'extase, de repas, de glace à la chantilly, de promenade, de soirée au casino, et tout le reste. Bien, bon, rien de rare ou d'inédit. Moi, les romances au clair de lune, je trouve ça ringard. Mais bien,
Je t'ai même appris deux ou trois choses que tu ne connaissais pas. Salope! C'est vrai, tu m'as appris des choses, Olivia, mais tu m'as surtout appris la souffrance. Bien fait! Patate! Mais dis donc, ce n'est pas moi qui suis venue à la sortie du bureau vendredi dernier, venant là me chercher, me trouvant, me disant que soudainement tu avais compris que tu m'aimais. Mais je sais, je t'en supplie, garde-moi, garde-moi! Te garder, mais pourquoi faire? Et puis, à trois, nous ne tiendrons pas. À trois? Mais, mon amour, pourquoi trois? Et Polo? Tu gênerais, Polo? Allez, ça suffit maintenant, tu dois t'en aller. Je dois préparer le bureau pour Madame Labelli qui revient. Il se fait virer! Vous entendez? Il se fait virer! Elle lui préfère un canari! Ah, ça, je dois dire qu'elle se comporte avec mon suppôt d'une manière... méprisante et inflexible! Voilà. Il est tombé amoureux d'elle, c'est abruti! Mais il ne peut pas tomber amoureux! Il n'a pas de cœur. Pas de cœur! Pas de cœur! Mais avec quoi souffre-t-il, là, sur la moquette? Il avait un cœur! Qui ne marchait pas! Et elle l'a fait démarrer, sans rien y comprendre, comme elles font démarrer leur lave-vaisselle en donnant un coup de pied dedans. Viens, si tu ne veux plus de moi, si tu me chasses, je me suicide. Vous entendez? Vous entendez? C'est lui qui va se suicider! Il va lui emprunter son gaz! Nicolas! Tu ne peux pas dire ça. La vie est un don de Dieu, elle ne nous appartient pas. Un comble, elle va le convertir. Il va passer à l'ennemi comme je vais passer à côté du concours. Il est perdu, votre suppôt. Hein. Ah, perdu, Nicolas. Vous allez voir. Nicolas. Au four, Nicolas. J'en supplie, ne me laisse pas, ne me laisse pas. J'ai dit au four tout de suite! Vous devriez essayer abracadabra! À vous, ça va, hein? Ça va! Que vais-je devenir sans toi, Olivia? Fais ce que je t'ai dit. Tu crois? Oui. Oui, c'est pour toi la seule solution que je vois. Si tu le dis, redonne-le-moi. 28, 33, 33. Et cette fois, c'est officiel! Olivia est perdue! Vous avez été battue par le gros mou avec une aile cassée! Non, c'est un incapable! Le coup vient d'ailleurs. D'où? Je ne sais pas. Mais les quatre qui restent, eh ben, je les damnerai, je les damnerai! Je ne voudrais pas retourner l'enfer dans la plaie, mais votre suppôt, il est pourri! C'est un suppôt pourri! Suppôt pourri! J'ai horreur des calembours! Rudy! Allô, Paris intérim à votre service. Oui. Eh bien, je vous la passe. Votre mari. Gérard? Oui. Mais c'est impossible. Allô, Gérard? Mais qu'y a-t-il? Le lait? Quoi, le lait? Le lait à cailler? Dans la glacière? Oh, mais c'est merveilleux, le lait à cailler! Oh, c'est intéressant! Oui, mon chéri, prends du café noir, tu n'en mourras pas! Oui, à tout à l'heure! Oh,
leur yaourt tout seul. Trois, c'est foutu! Vous êtes un menteur et un incapable! Désolé, mon vieux, mais... Va dériter! Non, quoi, trois? Quoi? Cinq, moi, Olivia et Stéphanie, ça fait trois! On atteint le niveau des petites filles modèles! Va des rétro! Non! Quatre, pas trois! Olivia s'en tire, d'accord, mais... Stéphanie avait bien l'intention de tuer son mari! Hein? Et ce n'est pas de sa faute, ni de la mienne, si la strychnine dans le lait mis au frais fait du lait caillé. Évidemment, l'intention vaut le fait. L'intention. Donc, 4. Et 4, ça peut toujours intéresser Monsieur Plomb. Mais non, 4, ça n'intéresse plus Monsieur Plomb. Il m'a dit où je pouvais le mettre, mon manuscrit. Encore. Eh bien, voyez Gallimard, hein? Je vais me faire tuer et je reviens. C'est ça! Et avec Madame Labellie, pas de bavure, hein? Et au besoin, tenez-lui le revolver que j'ai au moins un cadavre à raconter! C'est vrai que ça vous amuse que je vous raconte? Follement, continuez. Bien contente de vous amuser, hein? Quand arrive-t-elle, Madame Labellie? Oh, elle ne va pas tarder. Donc, comme je vous disais, il y a quelques semaines ici, je nous trouvais changés. Le caractère, l'humeur, même moi, je me reconnaissais plus, comme si j'étais une autre. Toutes ces sorties, Schussenberg, aussi, à pied, couché, enfin bon, une autre. Je suis même venue à me demander si quelqu'un ne parlait pas à ma place. Parce que, vous vous souvenez de moi avant, une vraie abrutie. Mais non, vous exagérez. Oh non, les gens le disent. Gilbert, c'est une abrutie. Abrutie, mais pas sourde. Et tous ces changements, hein? D'où viennent-ils? Mais d'où viennent-ils? Si je ne vous amuse plus, vous me le dites. Hein? Si, marchez. Bien contente. Donc, en bonne goutte que je suis, je me suis posé une autre question. Tous ces changements, c'est bon ou c'est mauvais? Ça aussi, c'est une question rigolote, non? Très rigolote. Et devinez qui a répondu à ma question? Je ne sais pas, mais vous me l'auriez posé. Elle! Saint-Armel? Oui, Saint-Armel, quand elle a sauté du mur à pieds joints vendredi dernier. Vous vous souvenez? Sauté du mur? Mais elle n'a pas sauté du mur. Le cordon a cassé comme n'importe quel vieux cordon. Qu'est-ce que vous allez chercher? Non, le cordon n'était pas cassé. Alors c'est le clou qui a lâché? Ah non, le clou n'a pas lâché. C'est... Mais comment vous appelez ça déjà? Les petits pains. Mais quoi, les petits pains? Quand Jésus a fait des fournées de petits pains, mais qu'un seul petit pain s'est un miracle? Oui, un miracle. Mais pourquoi me l'avez-vous pas dit? Ah ben moi je savais pas que ça vous intéressait les miracles. Mais ça m'intéresse moi les miracles, ça me passionne même. Oh? Quand on a chez soi un tableau qui tombe, que le cordon n'a pas cassé, que le clou n'a pas lâché, c'est un miracle et on le dit. Ah ben je ne sais pas ce qui m'a retenu. Oh, la peur d'être ridicule, certainement. Et puis, j'ai eu une illumination. Ah ben vous aussi, c'est le 14 juillet, tiens. Moi aussi. Et j'ai dit à Olivia de faire croire qu'elle allait entrer en religion si Nicolas ne s'intéressait pas à elle. Or, elle n'en parle qu'à vous. Et le soir même, Nicolas l'invite à passer le week-end avec lui. Les petits pains, le tableau sauteur, le miracle. Taratata! C'est sur votre ordre que Nicolas a emmené Olivia en week-end pour qu'elle ne devienne pas religieuse. Et c'est pour ça que Saint-Armel a sauté du mur à pieds joints vendredi dernier. Parce qu'elle vous connaît, pensez. Elle a failli être piégée par vous dans une grange. Et elle a fait à Olivia ce que Marie-Madeleine a fait pour elle. Vu ! Solidarité féminine ! Et de 14 juillet en 14 juillet, j'ai compris que vous étiez Satan et que
vous étiez venu pour nous damner. Satan, moi, si doux, si bon, si généreux. Vous, si doux, si bon. Vous êtes Satan et pas très malin. Hein. Seul contre six femmes, dont une en peinture, vous ne faites pas le poids, pas la moitié du quart du poids. La preuve, c'est qu'il n'y a pas de femme en enfer. Ah, pas de femme en enfer. Non, une pour 100 hommes, d'après les derniers sondages de l'IFOP. Vous êtes damnée, vous, la première, pour avoir vendu la gamine à l'esquin. La gamine? Oui, la gamine. Malheur à celui par qui le scandale arrive. Et ça va être un fameux scandale. Ben c'est un scandale. Alors là, ça c'est un scandale. Monsieur l'esquin, que vous arrive-t-il? J'ai été mordu. Regardez, qu'est-ce que c'est que ça? Une morsure. J'ai été mordu par la gamine que vous m'avez collée en échange de la boiteuse qui tousse. Hein? Et elle a planté ses crocs dans mon bras. Et je ne vous parle pas du coup de pied. Oh. Un coup de pied dans le bras? Mais non, pas dans le bras, dans les gaguenards. Vous êtes une belle honnête. Et je ne sais pas ce qui me retient de vous dénoncer à la police. Mais moi, je sais ce qui vous retient. Vieux satyre, cochon. Eh bien, moi, je vous dis que vous avez le devoir de le faire. La France entière doit savoir ce que recouvrait Paris intérim. Et à quel on te trafique. Oh non. Oh non, monsieur, alors là, je ne m'abaisserai pas à la dénonciation. Et vous pouvez garder votre boiteuse qui touche. Contrat ou pas contrat, je m'en fous. Comment? Bon, je la prendrai, mais un tout petit peu, hein. Quant à vous, monsieur, vous n'aurez pas le plaisir de me voir chez vous. Mais j'y compte beaucoup, au contraire. On voulait, mais on n'a pas pu. L'intention... Au four! Au four, mais quel four? Oh, en enfer! Monsieur est Satan! Satan? Satan, oui! Je suis Satan! Eh ben moi, je suis à bout de Bavière! Satan! Bon, maintenant que nous savons qui vous êtes, qu'attendez-vous pour partir? J'attends votre maman et je ne partirai pas avant de l'avoir vue. Je vous préviens que nous la mettrons au courant. Mettez. Racontez-lui donc vos turpitudes, ça m'évitera de le faire. Nos turpitudes? Mais quelle turpitude? Allô? Oh, c'est toi, ma chérie. Oui. Ah oui, il nous a tout raconté. C'est ça. Oui, une morsure et un beau coup de pied. Quand il est arrivé, oui, sans problème. Oui. Oh, merci beaucoup, ma chérie. Et à bientôt. Voilà. Ah, pensez que j'avais choisi la gamine. Ma nièce. Une vraie teigne, comme sa tante. Risquait pas de lui arriver grand-chose. Alors, vous voyez, nos turpitudes. Le champagne. Je l'ai sorti du frigo. Si maman est retardée, il risque d'être tiède. Oui. Mais vous êtes inconsciente ou quoi? Ben non, le champagne tiède, c'est vraiment pas bon, hein. Mais puisque vous êtes là, vous en prendrez bien une petite coupe avec nous. Pas trop frappé, hein, parce que le froid, il n'aime pas ça, monsieur. Ça m'étonnerait qu'il soit capable de boire quoi que ce soit quand maman saura la vérité. Ah, ça, si tout se passe comme je l'espère, je ne serai plus en état de boire ni de manger du reste. Oh, c'est dommage, parce qu'à midi, on avait des steaks sur le grill. Avec des pommes rissolées. Et pour finir, des religieuses. Oui, on me l'a déjà faite, celle-là. Oh, et des petites braises des bois. Ah, j'ai horreur des calembours. Petites braises des bois. Vous ne vous croyez pas damnée, n'est-ce pas? Pures et innocentes parce qu'il n'y a pas eu de victime. Mais reste toujours l'intention. Oh, mais je vous l'ai déjà dit. Nous n'avions l'intention de rien du tout avant que vous veniez nous asticoter ici. Oh, les intentions, c'est vous qui les avez amenées. Ce sont vos intentions, pas les nôtres. C'est quand même incroyable qu'on n'arrive pas à vous faire rentrer ça dans la tête. Non, ce sont vos intentions. L'autre et moi, nous proposons. Et vous disposez, ce sont vos intentions. Ce n'est pas parce que le revolver s'enraye que l'on n'est pas meurtrier. Le revolver? Et quel revolver? C'est nouveau, ça. Et d'où il sort, ce revolver? Personne ne s'est servi d'un revolver. Ah, mais c'est une image. J'ai pas dit que vous étiez servi d'un revolver. Ah si, vous le dites. Nous ne sommes pas sourdes, hein. Une idiote, hein. Mais j'ai pas dit que... Ah, commencez pas la mauvaise foi, hein. Mauvaise foi? C'est pas vous qui avez parlé d'un
mais dans le sens où... Et sur qui aurions-nous tiré avec ce revolver? Mais j'ai pas dit que vous aviez tiré! Et vous l'avez dit! Non, je l'ai pas dit! Oh! Et puis, où l'aurions-nous pris ce revolver? Stop, fini, on efface, pousse, plus de revolver! Voilà, messieurs, la cause de 80% des infarctus. La mauvaise foi. Elles sont de mauvaise foi. Et elles disent que j'ai dit que... Mais enfin, vous étiez là. J'ai dit... J'ai dit... Asseyons-nous. Calmons-nous. Je vais me faire du mal. Mais oui, asseyez-vous. Reposez-vous. Quelle idée aussi de parler devant un mur. Aussi, il est brûlant. Oula. Tous pareils, ces hommes. Incapables de parler tranquillement. Ça les rend malades. Eh bien, c'est comme Albert. Hein? Et pourtant, Albert, du miel. Mais au bout d'un moment, bah, il devient tout blond et il tombe. Ça l'a fait aussi à Schuschenberg l'autre soir. Nous étions en train de manger. Nous parlions de... Oh, je ne sais même plus de quoi, d'ailleurs. Et tout d'un coup... Il s'est mis à manger la nappe en pleurant. Oh, oh, oh. Oh, ça va mieux? Oui. Se mettre dans un état pareil pour un revolver. Allons, n'en parlons plus. Aucune raison d'y revenir. Bah. Par contre, il ne faut plus accuser sans preuve. Ah oui, parce qu'aucune de nous ne s'est jamais servi d'un revolver. Mais bien sûr, laissons-le tranquille avec ça. Oui, laissez-moi tranquille. Surtout que personne n'aurait su. Su quoi? Se servir d'un revolver. Tiens, il est encore là. Oui, il vient de nous faire une petite colère. Une colère? Il aurait dit qu'on aurait dit... Non, 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 j'ai dit... Des bêtises. Regardez plutôt, mesdames, ce qui nous attendait chez la concierge en bas de l'immeuble. Madame Stéphanie Dugas. Madame Florence Malavoine. Olivia Matuccieri, un pour Gilbert. Quelqu'un qui ne me connaît certainement pas. Et vous, qui n'avez même pas apporté de fleurs à Madame Labelli? J'ai mieux. C'est Nicolas. Vous saviez qu'il allait être missionnaire, votre petit suppôt? Ça va, ça va. Qu'est-ce qui vous écrit à vous? Pardon et adieu, Nicolas. Pareil qu'à moi, avec un chèque qui ment. Moi aussi. Ah, c'est délicat. Ce qu'il va être beau en missionnaire. Maman. Oh. Oh. Mais est-ce que tu es chic? Bonjour, madame. Madame. Oh, mais enfin, Suzanne, c'est Gilberte. Soin donc, l'abruti. La... Ah, Gilberte. Mais quelle métamorphose. Mais que vous êtes-il arrivé? Je vous expliquerai plus tard. Ah. Pour l'instant, je vais chercher le champagne. Bon, les enfants, je ne peux rester que très peu de temps avec vous. Oh. Oui, je repars pour Moscou dans l'après-midi. Ah, oh, Michel, je savais que j'allais vous trouver là. Oui, c'est que j'ai à vous parler. Oh, mais moi aussi, j'ai à vous parler d'une chose très importante et j'ai très peu de temps. Ah. J'ai tout compris, Michel. Ah. Oui, pendant mon séjour aux États-Unis, je me suis longuement interrogée à votre sujet. Ah. Oui. Pourquoi cet intérêt si marqué pour nous? Quel dessin poursuiviez-vous? Et vous avez eu une illumination, vous aussi, le 14 juillet. Le 14, vous m'expliquerez ça plus tard. J'ai compris, Michel. Vous m'aimez? Eh bien, c'est oui, je vous épouse. Mais maman, tu ne peux pas épouser ce monsieur. Et pourquoi, diable? S'il te plaît, tu es grande maintenant. Non, 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 non. Alors, tu ne peux pas l'épouser, parce que c'est Satan. Satan? Oui. Satan, oui, je suis Satan. D'un camouflé, vous. Ils sont foutus de se marier à l'église. C'est à compte d'auteur que je vais le publier, mon roman, moi. Non, ça suffit, on recommence, j'y retourne. J'ai pas dit mon dernier mot. Nous rembobinons l'enregistrement et reprenons à zéro. Moteur. Satan ne relâche pas si facilement ses proies. Monsieur le Réveillon, pour une intérimaire. Faites l'entrée. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Je vous en prie.
mesdemoiselles, messieurs, la pièce que nous avons eu le plaisir de vous interpréter, Diable d'homme, est de Robert Lamoureux et André Gillois. La mise en scène, Laurent Deneau. Et Gwen Olivier. Il faut mon petit papier parce que notre souffleuse, Marianne Pouplein. Les décors, Christian Pouplein, Noël Page, Rodolphe Delourmel et Robert Després. Et le son installé par Vincent Palaric aux commandes des lumières, Martine Turpin. Et Vincent Palaric à côté. Et au son, Jo Nouvelle. Notre habilleuse Jacqueline Robert. Anne-Laure Gaillet, Institut à l'essentiel à Bois-Gervilly. Réservation, classement, Catherine Page et toute une équipe de bénévoles également à la buvette. Merci au Coxy Market, je sais qu'ils sont là. Merci au Coxy Market de nous avoir offert les affiches et merci aux commerçants de les avoir mis en vitrine. Le Montel Théâtre s'est agrandi cette année de 6 nouvelles et nouveaux actrices et acteurs et de talents. C'est un ancien qui vous le dit. Je vous les présente. Elisa Pro. François-Xavier Garandeau. Martin Raffara. C'est normal, il a pas son fan club, c'est une fan club. Dimitri Bacro. Lise Le Breton. Clément Le Breton. Dans les plus anciens, Michel Lelièvre. Françoise Delourmel. Johanna Conga. Et Anne Deneau. Absolument que je me fasse un fan club. Clément, tu as une petite annonce à nous faire? Une petite publicité pour d'autres comédiens. Le jeudi 15 février 2024 à 20h30 à la salle des fêtes de Montauban, la compagnie théâtrale ACSJ propose « Au commencement, le verre était dans la pomme », une libre interprétation de l'encyclique Laudato Si avec un zeste d'humour, un spectacle qui porte un regard neuf, inédit, étonnant et subtil sur l'écologie d'aujourd'hui. Merci pour eux. Alors, exceptionnellement, comme vous avez été une très très bonne salle, très belle, on va se prendre en photo avec vous. Alors, on s'excuse, on va vous tourner le dos. Quoi que ce soit de l'avant ou de l'arrière, nous sommes très agréables à voir. Surtout mesdames. Et
On peut vous dire de vous mettre debout, tiens, une stand innovation, tout le monde va croire que... La place, elle est pas mal. Elle est subtile, celle-là. Elle est bien amenée, celle-là. Si c'est pas des choses sympathiques, vous dégagez.